Yo les copains. Bah si je peux venir sur le Discord en fait. Alors. Voilà. Comme ça passe aussi. Là. Donc je disais, non pas au début en VR parce que... comment? Je viens de ressortir mon... Ta gueule. Je viens de ressortir mon manche à balai et c'est pas une grossièreté. Donc j'ai ressorti mon joystick et bah il faut que je configure en fait. Parce que je crois que si je veux jouer au joystick, je vais être obligé de mettre la VR. Parce que je peux pas diriger la vue avec le joystick. Qui c'est qui a osé me... Deux. Je crois qu'ils ont l'air d'oublier que j'ai le vieux serveur. Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mute, ce salaud. Hein? Enfoiré. D'ailleurs, Fabs, je sais pas si on te l'a dit, il y a ton micro qui est ultra fort, je sais pas pourquoi. Ah, je vais diminuer un peu. Est-ce que tu l'avais augmenté? Ouais, peut-être, je sais pas. Je vais diminuer un peu. Hop. Bon, moi, comme ça, je suis sûr qu'on m'entend. Ça dérange pas les autres, moi. Voilà. Hop, je vais remonter un petit peu le son comme ça, ils t'entendront aussi. Ok. On n'entend pas, oui. Bah, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Et moi je baisse un peu. Hop, voilà. Donc je disais, si je veux jouer au joystick, il va certainement falloir que j'utilise la VR parce que je peux pas diriger la caméra avec le joystick. J'ai pas de deuxième petit joystick sur le dessus. Donc il m'empêche d'utiliser la caméra. Et comme j'ai que deux mains. Et que fatalement elles sont pas dans le bon sens, mes mains, bah, la souris elle est de l'autre côté, donc voilà. J'ai une main gauche et une main droite, et il me faudrait deux mains droites dans le cas présent, parce qu'il faudrait que j'ai la souris avec une main droite et le joystick aussi avec la main droite. Mais donc, ça va être... avec la main droite, pourquoi tu prends pas avec la main gauche? Parce que j'y arrive pas. je suis un droitier pur et dur, quoi. Je suis. Mais dans ce cas, t'as qu'à faire du multi simple. T'appelles ta femme qui tient le joystick pendant que toi tu tiens la souris. Non, ça va partir en cacahuète si on fait ça. Ah, ça, y a des chances. Mais donc là, je vais continuer vite à tester, à configurer le joystick parce que j'ai l'impression qu'il manque des touches par rapport à ce que le jeu veut. Bon, c'est vrai que le truc il est archaïque, hein, il doit dater de 1912, je crois. À peu près. Voilà. Bon, on va tester. On va retourner en formation. De toute façon, avant que je fasse une mission, il y a déjà. Évaluation du pilote. On va pas faire ça tout de suite. On va faire rudiment du vol. Là, au moins, je suis sûr que. Évaluation du pilote alors qu'il n'a pas encore commencé à jouer. C'est le premier truc à faire, en fait. Et ils ont rajouté ça récemment. Et en plus, le didacticiel est en français. Donc, c'est une espèce de didacticiel accéléré, on va dire. L'évaluation du pilote, c'est quoi? C'est le didacticiel, en fait? Ouais, c'est ça. C'est dans le didacticiel, ouais. D'accord. Sauf que les autres, l'ancien didacticiel, celui que je suis en train de faire là, les voix sont en anglais, quoi. Je crois que t'as le même mode que moi sur OBS. Toi, tu fais bouger la fenêtre du jeu, mais OBS, lui, ne montre rien. Ah ouais, en effet. C'est vrai, on va changer. Hop, là, voilà. Hop. J'avais anticipé le. J'avais anticipé. Par contre, je peux virer le live. Il a commencé. Il a commencé. Voilà. Ces stéroïdes sont en mouvement. Alors. Accélérer, freiner, celle-là, c'est sûr. Ok. Ça, il n'y a pas de doute. Oh, doucement. On peut se faire du multi sur ce truc? Ouais. D'ailleurs, c'est très axé multi. Hein. C'est très axé multi. C'est limite du MMO en fait. Hein. Qu'est-ce que... Alors, mais en fait, le jeu est en train de te parler. Ouais, c'est ça en fait. En anglais? Ouais. Mais c'est sous-titré en français, quoi, sur le côté, si jamais. Oh, oui, non, mais ça, j'ai compris. Contrôler le temps de gage, ok. Là, il me donne les informations. Contrôler le temps de gage, le roulis, tatati, tatata. Donc, le roulis, ça fonctionne nickel. Ok. Je n'entends pas en fait ce qu'il dit sur le jeu parce que sinon, je t'entends en double. Essayez de faire pivoter votre vaisseau de droite à gauche. Hop. Ça, j'ai dû les mettre sur les boutons parce que j'avais pas assez de. Joystick 6. Atteignez votre cible. Bah voilà. Bon. Hop, ça devrait aller aussi. Hop, on se casse. Ça va pas très vite au début. Hein. Par contre, au joystick, c'est une tuerie quoi. Et tu vois, par contre, le problème, c'est qu'une fois que j'ai le joystick, je peux pas contrôler la vue, sauf si j'utilise... Ah non, même pas, je peux pas utiliser la souris, en fait.
enfin, c'est très con en fait. Donc ça sera joystick clavier à mon avis avec le casque. Ça va être délicat. Ouais, ouais, ouais. Avec le casque pour voir le clavier. Si hein, je peux, j'ai une touche, c'est un Cosmos, donc j'ai des caméras extérieures, donc je peux switcher en vue extérieure si je veux. Mon clavier est plus ou moins positionné, ça va, même en VR, j'arrive à repositionner mes mains assez vite. D'accord. Je mets des touches assez faciles, hein, genre espace, shift, shift, control, tu vois, c'est des trucs assez simples à atteindre. Et, non, mais ouais. Je crois bien. Ouais. Mais j'essaye de limiter aussi le nombre de commandes que j'ai besoin en clavier, quoi. Ouais, bah tant qu'à faire, oui, bien sûr. Et donc ta cible, c'est cette espèce de station spatiale des... Ouais, c'est ça. D'accord. Hop, et pour tourner, c'est comme ça. Utiliser T, ouais, c'est une joystick 3 là, voilà, ok, objectif atteint, hop. On peut ralentir, hop. Ça par contre c'est magique, hein, la petite molette là pour accélérer, freiner. Alors, formation. Leçon de formation, après rudiment de vol, c'est appontage et long trajet. C'est là qu'on va commencer à rigoler. Ah. Mais par contre, ça, quand t'es dans les stations en VR, c'est juste magnifique, quoi. C'est énorme, tu te rends vraiment compte que la 3D est énorme par rapport au personnage. Tu dis, oh putain, c'est... Ouais, blablabla, bla, bla, mademoiselle. Ah, par contre, pour descendre dans les menus, je sais pas comment je vais faire. Avec les flèches, bah, non. Et tu laisses les touches haut, bas, gauche, droite, du côté, c'est le plus facilement distingué. Ouais, mais apparemment, une fois que j'ai le joystick... Ah non, c'est pas les flèches. Ah, c'est avec les ZQSD. Hop. Décoller et... joystick 1. Non. Il est où le 1? Il est où le 1? Ils ont oublié de mettre le 1. Bah, à mon avis, c'est la gâchette, mais ça marche pas. Bon, ça sert à rien, ça fera. Avec espace, ça marche pas. Ah non, retour. Ah non, c'est retour en surface que je dois faire. Et tirer, voilà. Ok. C'est parce que j'étais pas sur la bonne option. Oui, fais gaffe à pas activer par erreur le bouton d'autodestruction. Non, on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter. Voilà. Ah ouais, là, donc par contre, là, j'ai pas la vue, quoi. Ok. Joystick caméra. Utiliser S ou joystick caméra 1 bas. Mais j'ai pas de bouton caméra 1 bas. Tu te fous de moi ou quoi? Sectionner décoller pour vous élancer. Bon, allez. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Hop. Accélérer un peu. Hop. Hop. On reste dans la petite zone bleue qui est la zone de vitesse idéale. Voilà. Hop. On peut accélérer un petit peu. Hein. Hop. Voilà. On se fait pas remarquer. Non, il vaut mieux pas. Ok, you're clear of the access corridor. Your ship's still mass locked by the station. Et puis sur R, t'en connais d'altitude, mais comment ça, t'es dans l'espace? C'est ridicule. Train d'atterrissage doit être rentré. Ouais, bah c'est L sur le clavier, ça je sais bien, mais. On va le faire avec elle. Insert pour entrer le train d'atterrissage. Ah, en plus, il a tout changé. Ok, d'accord. Ah, merde! C'est pas insert, c'est delete, ça. Ok, ils sont rentrés. Insert pour entrer le train d'atterrissage. Mais c'est fait. Voilà. Appuyez sur J pour charger le... Ah, ouais, je vais devoir jouer à moitié au clavier, à moitié au joystick. Ça va pas le faire, ça. C'est la merde, ça. Ça va pas le faire. Surtout J va le trouver au milieu du clavier, quoi. Parfait. Votre vaisseau est en vitesse lumineuse. C'est la meilleure façon de se déplacer à l'intérieur d'un système, mais cette petite mission va vous entraîner un peu plus loin. Commencez par préparer un itinéraire jusqu'au système d'Eranine à partir de l'onglet navigation du tableau de bord de gauche. Que je ne peux pas regarder, je rappelle. Oups. Ça devait pas être le bon bouton. Ah, voilà. Ça, et du coup, il faut que j'aille à Eranin, c'est ça? Hop, verrouiller. Verrouiller destination, on va dire ça. Right.
Salut Géluse. Salut les potos. Bon. Ça charge, visiblement. Aligner la destination cible là-bas. Engage. Normalement, quand je serai plus dans l'émission tuto, la voix est en français. J'ai trouvé pour mettre les voix du vaisseau en français. Mais là, pendant le tuto, on part... Oh putain, ça doit être chaud là. Manœuvrer pour éviter la collision. Oui, on va éviter. On va faire. Verrouiller Asban City. À notre gauche. Asban City, verrouillé. Excuse-moi, je suis toujours traumatisé par rapport à hier. Ouais. Cible. Oh putain. On va éviter de se prendre le soleil quand même, ça serait gentil. Elle est où la cible? Ah là-bas. Ok. Il va faire chaud là dans le vaisseau tout de suite. Hop. 3 minutes. Ah non, oh, ça diminue vite, ça va. Tranquillou. Asban City. C'est quoi, c'est Moyen-Orient ça? Je sais pas, je pose la question. C'est Moyen-Orient spatial. Il est con, que... Ah, je te jure. Faut quand même essayer de rester aligné, plus ou moins. On va éviter de rentrer dedans. J'imagine que la vitesse va baisser automatiquement. Ouais, tranquille. 3C, 2C. Décélérer. Ok, Nosusai. Oh, j'ai demandé qu'on arrête. C'est pas J, non? Vitesse excessive pour sortie sans danger. Arrêt d'urgence. Je suis pas sûr que ça soit bon à faire, ça. Non. En général, quand c'est urgence, ça a un impact. Ouais. Par contre, je sais plus où elle est, la cible. J'ai perdu la cible. Je l'ai même pas sur le radar, quoi. Ah, si, là. Elle est où? J pour charger le réacteur FSD. Ok. Ah, FSD annulé. Refroidissement en sécurité en cours. Ah bah oui, je m'en doutais que ça allait avoir des répercussions. Ça c'est du warp, c'est pas comme un certain jeu. Ouais, c'est ça, hein, Jules. C'est vrai que ça me rappelle aussi... mode FSD annulé. Refroidissement. Ah. Non. Bah, je peux pas. Le jeu il me dit que je dois appuyer, je peux pas. Ah, ça y est. Bon, j'ai pas très bien compris le truc de décélérer là. Y a-t-il vraiment un truc à comprendre? Accélérer pour activer. Bah oui, il me semblait bien. Ok. Alors, quand est-ce qu'elle va me dire de décélérer? Ok, hopefully you'll get it right this time around. Stay focused, Commander. Tâchez de bien vous concentrer. Ah ok, en fait c'était fait exprès que je rate. Ok. Ils sont méchants, ils m'ont fait rater exprès. Mais tuto, c'est le tuto. Hein. C'est ça quoi. Non, mais en attendant, tu vois, j'allais déjà me remettre en question et tout, voir si je devais pas prendre des leçons de pilotage. voilà, bon, non, en fait c'est une blague. C'était une blague. Appuyez sur J pour désactiver. Il me semble bien qu'il fallait appuyer sur J à un moment. Oh putain. Ouais, ça m'impressionne toujours. Ça en vert, ça fait mal, quoi. Demandez la permission. Non, c'est un truc à 12 ou 16 côtés, je crois. Panneau de gauche. Alors, Asban City. Un hexagone, c'est ça. Carte du système, non, c'est pas ça. Asban Orbital, j'imagine que c'est ça. Non. Je dois faire quoi? Elle a dit, la madame. Si jamais tu dois le verrouiller, à mon avis, c'est entre les deux crochets. Tu. Pour moi, c'est pas logique. Attends, on va déjà ralentir. Hop.
Parce que sinon on va rentrer dedans. Et je crois qu'ils vont pas être contents du coup. Là. Et donc, si panneau 1. Si jamais tu leur mets 17 côtés sur un truc qu'on a 16 au départ, ça fait mal. panneau 1. Asban City. Déverrouiller destination. Carte du système. Non, c'est pas ça. Asban Orbital. Verrouiller, déverrouiller, carte du système, c'est pas ça. Merde. Aucune donnée. Non, 294 SL, c'est un peu loin. Non, ça doit être là. Ah, dans cible. Et comment je vais dans cible? Attends. Tac. Ah, là, j'ai trouvé. Asban City. Ah, Asban City, demandez à pontage. Voilà. Vous avez l'autorisation d'approcher, heureusement. Manquerait plus que ça, t'es. Allez, on y va. Hop. On va pas faire le fanjo. Sortez le train d'atterrissage avec insert, ok. Elle est où la cible? De l'autre côté en fait. Mais le truc il arrête pas de tourner, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. C'est une cible mouvante. Le truc il va me tomber dessus. Ça. Elle est où la cible? Ah, elle est là la cible. On va ralentir parce que sinon après ils vont encore gueuler. Ça doit être dans ce genre là, je crois. Un truc dans ce genre là. Hop. Doucement, 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 doucement. Hop. Je crois que je rentre à l'envers, mais c'est pas grave. En l'espace, tout est dans le même sens. Hop. Ah. Bonjour. Cible. Oh, on va aller tout doucement, parce que là, j'ai pas envie de rater ma cible. Elle est où? Ah, là-bas. Youuuu. Voilà. Réduisez votre vitesse à mesure que vous approchez. Votre vaisseau doit tourner le dos à l'entrée et se trouver à la verticale au centre de la plateforme. Ton vaisseau doit tourner le dos à l'entrée, tu dois faire ça en marche arrière? Non, je dois me stationner comme je suis là en fait. Le vaisseau sera tourné automatiquement par la suite. Ah, d'accord. Je me suis dit, putain, si j'aimais en plus faire des crédits. Non, en fait, faut se garer comme quand tu rentres. Comme tu rentres en fait. D'accord. Hop, on y va doucement. Bon, je peux pas vous montrer le décor, les gars, parce que j'ai pas la caméra. Mais c'est rien, je mettrai le casque après. Hop. Alors, réduire la vitesse, tranquille. Je peux pas être plus réduit que là. Hein. Oh, voilà. Alignez-vous sur le centre. Hop. Non, avance doucement. Voilà, doucement. C'est chaud, la petite molette, elle est pas si précise que ça en fait. Ah, j'ai pas. Ah oui, j'ai pas les commandes de lacets moi. J'ai pas les commandes de lacets. Comment tu veux que je fasse mes lacets si j'ai pas les commandes de lacets? Si, attends, peut-être là. Ah non, rien à voir. Quoi? Ouais, mais non, mais là sur le coup, il faut que je trouve comment je mets le lacet. Ouais, mais putain, les boutons là, ils sont déjà. Celui-là qui dit Fabs avant, c'est le point rouge qui doit être au centre. C'est le point rouge qui doit être au centre, ok. Attends, vol rotation, vol poussé. Poussé. Non, c'est dans rotation le lacet normalement. Lacet gauche, lacet droite. Joystick 6 et joystick 7. Ah non, ça c'est le lacet, ça je l'ai. C'est les poussées gauche et poussées droite que j'ai pas. Et si je fais ça, que je mets ça. À turbo moteur. Bah non, je vais pas désassigner ça quoi. Putain, qu'est-ce que je vais mettre? Poussée gauche, là. Déployer point d'emport. Non. Oh merde. J'ai vraiment pas assez de touches en fait sur le joystick. Ça fait chier. Il y a Jules Lab encore qui dit c'est là où est ton vaisseau par rapport au sol.
Ouais, ok, bah attends, je vais regarder, mais le problème c'est qu'il faut que je puisse quand même faire des poussées gauche et poussées droite. Donc Ah, à mon effectivement, avis, ce ce serait que je bien, vais parce qu'on faire, risque d'avoir du c'est mal. ça et ça. Et je vais faire les poussées au clavier. Hop. Voilà. C'est le point rouge qui doit être au centre. Ah oui, ok, d'accord, ça va, je vois. Hop, hop, voilà. Oh, doucement, doucement, Pepper, doucement. Salut Fox Ario! Salut Fox, comment tu vas, poteau? Ça fait un bail, poteau. Niveau en vous aidant. Ouais, ok. Et après, je fais quoi? Vous êtes dans Bah les après, je te ferai indicateurs bien te descendre directionnels. une poser. En fait, je suis trop haut, je crois. Oh mon dieu, j'accélère pas comme ça près du sol, t'es malade. Ouais, c'est ça, quoi. Ah! Ouais, en fait, ouais, j'étais un poil trop haut. Ouais, il me manque des commandes au... Ah, c'est quelque Bon. chose que je fais. Au joystick, c'est rien, je vais passer à la manette. Ah ouais, la manette, ça devrait être beaucoup mieux. Bah, disons que je suis pas très très fan de toutes les commandes à la manette, mais... formation. Ouais, du coup, je vais débrancher ça. Ah, je suis pas sûr que le jeu apprécie, par contre. Ah, peut-être pas l'heure que tu le quittes et que De tu le redémarres, ouais. passer de l'un à l'autre. Bon, ça, c'est la manette que j'ai mis en charge au cas où. Hop, T'as une hop, manette ça sans c'est. fil? Ouais, une Et Xbox. Rési! Vas-y. Ah, je déteste tout ce qui est sans fil. Ah, bah écoute. Tant que t'arrives à gérer la batterie, ça va. Et en plus, c'est une manette Xbox 360. La batterie, elle tient quand même relativement longtemps. Donc voilà, j'arrive à la Moi, gérer. j'ai une batterie, pardon, j'ai une manette filaire, on dira ça comme ça. Oui, bah il a déjà fallu tout pour que t'aies une manette filaire. Bon, d'accord, mais c'est pas une raison. C'était pour quel jeu que tu l'avais pris, je sais plus. Bah, c'était pour Rocket League. Ah. Du coup. Est-ce que ça marche à la manette? Ouais, parfait. Donc, du coup, ça change tout. On va refaire l'évaluation du pilote à la manette. Hop. Tac. Comme ça, je reprends les commandes à la manette. C'est un petit peu chaud, mais ça va aller. Alors, là, les voix sont en français, par contre. Et ton téléphone, Willy, il est avec Bienvenue à Phil? Rosendom. Oui, Installez-vous absolument. confortablement le temps de finir de Pas un vérifier problème, votre je l'ai. réseau. Je m'appelle Théo Arcosta. Ah non, Et c'est un je serai téléphone cet portable que équipement j'ai, chargé de évidemment. vous évaluer. Il faut bien avouer que la Tous mes batterie des téléphones téléphones paraissent portables comme tient bien cellules mieux que la perdues. batterie des Alors, manettes. suivez mes instructions et vous recevrez votre insigne de commandant. Ah, et dissipons tout malentendu. Malgré mon accent impérial, je suis en réalité originaire d'un système indépendant. Bon, j'ai pas de préjugés, monsieur. Nous avons étudié les rudiments du pilotage, du combat et l'utilisation du réacteur FST. Ce Sidewinder est équipé d'un ordinateur de bord qui prend le contrôle du vaisseau à certains moments. Je vais vous guider tout au long d'une série d'objectifs prédéfinis Et qui du sont coup, tu peux affichés sur attirer le sur panneau des planètes? d'information en Ouais. Il faut le DLC Horizon, mais je l'ai pas, mais sinon oui. C'est tout un système de lander particulier, quoi. C'est sympa, c'est ça. Sélectionner décollage auto. Je peux pas. Ah, bah peut-être faire un peu de démarre le jeu. Bon. Le décollage automatique permet de profiter de la vue sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. C'est l'un des Y'a nombreux Fox avantages Ario qui offerts dit par la ça va technologie. super. Oui, en effet, ça fait super longtemps. J'avais décroché de YouTube. Comment tu vas, D'autres toi? candidats se sont au même Ça exercice va, que vous, mais Fox. cette Tranquille, évaluation n'est tranquille. pas une course. Prenez le temps de bien maîtriser Salut, chaque Liam! étape. T'as oublié le oui. Oui, Liam. Pardon. Non, mais on en a à ce moment-là, quoi. En file d'attente. Je peux eu ça, moi, C'est hier. bon. Je crois que je vais aller me coucher, je me suis levé trop tôt. C'est ça. C'est Liam. Ça va. Willy, tu sors, je suis déjà dehors, fous-moi la paix. J'ai l'impression que tu te diriges vers le mur là. Non, c'est décollage automatique, moi je touche à rien là. Ah merde! Il va Ah me donner les commandes une fois qu'on sera sorti. Ah
là tu vas être encore plus dehors, fais gaffe à toi, je suis là parce que... Ça par contre hier, ça je l'ai fait hier en VR, c'est magnifique quoi. Ah bah ça c'est... Malgré les nombreuses guerres qui ont divisé la Terre, l'humanité n'a jamais cessé de rêver aux étoiles. Et aujourd'hui, nous glissons à travers le cosmos comme si de rien n'était. C'est beau. Ouais, c'est beau. Voilà. J'avoue. Ah, il y a pour à dire. Premier objectif, appréhender les rudiments du vol spatial. Ok. La trajectoire de votre appareil dépend du tangage. Décollage automatique terminé. C'est là que tu te rends compte que si jamais l'ordi y plante... Ouais. T'avais peut-être te prendre un mot, quoi. Ah bah ok, ma manette n'est pas bien reconnue en fait. Il va falloir que je redémarre le jeu. Ouais, non, passer de l'un à l'autre. Ouais, je l'avais dit, hein, ça allait faire la merde ça. Ouais, ah, par contre, voilà, le bouton start fonctionne. Le joystick là, il fonctionne, mais... Si je vais là... Non, déjà même le bouton joystick axe Y et tout, je suis même pas sûr que c'est comme ça qu'il les appelait hier. Bon, mais j'ai pas le choix, faut que je redémarre le jeu. Alt F4. Non, on fait ça proprement. Moi, j'aurais pu faire quitter le jeu. Proprement, Alt F4. Quitter, hop. Bah du coup, je vais mettre SteamVR en route. Cet homme qui respecte son ordinateur. Ah merde, attends. Parce que si je mets SteamVR en route, il va me changer. Il va me changer le micro. Il va me changer le casque. Je vais pas superposer les deux casques. On n'est pas tous des bourrins, ça va. Je suis bourrin parce que j'extermine. ça m'énerve ça. Je suis bourrin parce que j'extermine des robots au nucléaire. Je suis bourrin parce que j'extermine des robots. Mais tu joues à des jeux de bourrin. C'est bon, j'en ai marre quoi. Tu joues à des jeux de bourrin. D'accord, mais c'est pas pour ça que je suis moi-même un bourrin, franchement. Du coup. Je suis bourrin parce que je vais chercher une lune extraterrestre que je larme et puis que je la fais péter une planète. Non mais c'est bon, hein. Bon, je vous mets une petite image en attendant, comme ça je peux chipoter à mon truc. SteamVR. L'image mensongère, il n'y a pas de taupe. Dans... Quoi? Il n'y a pas de taupe? Qu'est-ce que t'en sais? Bah, de ce que je sais, c'est plus un jeu où tu sors pas de ton vaisseau. Ouais. Attends. Changer à la fois le périphérique d'entrée et de sortie. Attends, je t'entends pas bien. Ouais. Ouais, c'est le casque, c'est le micro du casque vert. Attends, du coup, faut que je refasse les paramètres dans Discord. Ouais, j'ai oublié, je vais mettre le casque. Ouais. Volume d'entrée. Non, attends. Attends, je vais augmenter moi le volume d'entrée. Voilà. Là, ça dit quoi maintenant? Ça va un peu mieux, ouais. Hop. Ouais. Oui, bah oui, fatalement. Du coup, hop, on va baisser un peu le Widi. Et moi, je peux remettre mon volume comme il était tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est parce que j'avais relevé le casque. Le casque, en fait, le Cosmos, si tu veux, il y a un axe et je peux le relever comme ça. Hop, et pour voir, voilà, c'est ça. Donc, YouTube ne reçoit pas suffisamment de données. Là, je l'emmerde, YouTube, mais d'une force. alors, SteamVR, non, c'est Steam normal qu'il me faut, qui a disparu quelque part dans la nature. Non, il est sérieux. Bah, il est une grosse. Voilà. Propose-moi de le mettre en vert ou je m'énerve. Je sens la pression qui... Ouais, c'est ça, quoi. Allez. Il ne démarre pas. Ceci est un mystère. Bizarre, ouais, c'est ça. Dans le casque, il me dit. Ah, ouais, ok, d'accord. Si je regarde pas dans le casque.
Vous êtes en version bureau, continuez, non? Annulé. Tac, retour. Tac. Et on revient ici. On a l'accueil, oui. Ici. Stimulaire. Bah non, pas stimulaire, je suis déjà lancé. Je vais y arriver, ou pas. Edit Dangerous. Elle prend nativement la VR. Vous les avez choisis à bureau. Oh non, on entend plus Willy, c'est ce qu'il a dit. Ouais, tantôt, ouais. Attends, pourquoi est-ce que. Non, je crois que tu t'entends. Prends nativement la VR. Vous avez choisi la version bureau. Mais pourquoi? Continue, ok. Ouais, c'est le casque du. Attends, Et tu sais que moi je t'entends, hein, si jamais. T'es pas méchant, hein. Non, on l'entend pas, oui. Attends. Hop. Ah oui, non, il l'entend pas du tout parce qu'en fait l'audio du bureau a changé ici. Du coup. L'audio du bureau passe dans le casque Vive. Donc là. Propriété. Casque, c'est pas le bon casque, c'est Live Cosmos. Là. Ok. Parle une fois. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est pas celui-là, c'est. Casque périphérique Live Cosmos. Hein? Ah là, haut-parleur. Là, voilà, j'ai trouvé. Tac, c'est bon. Bonjour. Voilà, ok, là il t'entend. Alors là, le jeu a démarré. Si je fais jouer, est-ce qu'il va démarrer en vert ou pas? Oui, non, peut-être. Demain. Ou après? Ou après? Demain. Le truc, je suis mon casque, donc c'est mon signe. Ou pas? C'est quoi ce micro dégueu du coup? Il l'a déjà dit, c'est le micro du casque VR en fait. C'est pour ça qu'il est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Après tu peux pas couper le micro du casque VR et mettre le micro ton micro normal à la place? Bah c'est mon casque micro quoi. Donc le remettre au-dessus du casque, ça va faire un peu beaucoup quoi. Non mais sinon ton casque micro tu sais, tu veux. Enfin ton ouais casque, je vais le mettre à mon cou. Je peux le mettre à mon cou. Tu le mets autour de ton cou et puis tu mets ton micro normal quoi. Après bon est-ce que ça marche ça? Ah mais attends, parce que eux ils m'entendent peut-être pas de la même manière. Attends, parce que là ils m'entendent vraiment très loin. Et si je mets celui-là comme ça. Est-ce que là vous m'entendez mieux les poteaux avec ce micro là ou pas? Oui, légèrement, oui. Parce que. Oh lol, non mais on rêve quoi. Excuse-moi, je suis sur Space NG, il y a un drone, ça s'il a inconnu là. Ah. Ben il a traversé le sol. Ah ouais, là. Bon. Putain, sérieux. Du coup, je vais être obligé de le supprimer. Non, je vais le lancer en vert. Pourquoi il veut pas se lancer en vert? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Lancer. Non, peut-être. Ok. Non, je vais pas le lancer en vert. Pourquoi?
revenu. C'est bon, ça a l'air d'aller. Oulala. Tu m'entends, Willy? Ah oui, moi je t'entends très bien. Ah, ça va, nickel. Parce que j'avais redémarré le casque, donc du coup, tout le périphérique était... Ah. Là, c'est bon, je l'ai dans le casque. Heureusement que tu l'abordes pas. LOL. je suis assis dessus, donc c'est pas possible. Ah non, pitié, Fabs. Pas sur le casque, hein. Sur mon cul. Ah non, c'est dégueulasse. Bah, non, c'est quand normal. Je sais pas comment tu t'assieds, toi, mais en fait, ça, je me suis toujours assis sur le cul. Hein. Tu t'assieds sur le cul? Ouais. Bah ouais. Franchement, c'est véridique. Mais enfin, non. Bon, ok. Là, maintenant, c'est la manette qui a dit va te faire foutre, tu vois. C'est... ce jeu, il veut pas que j'y joue. Et il veut pas que le clavier fonctionne non plus, en fait. Oh, putain, sérieux, quoi. C'est quoi cette histoire? Ah, je vois une souris qui apparaît là. Ah, bonjour. Hop. Ah, là, ça marchait à la manette. Bon, bah, on va essayer. Hop. Formation. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas le son? Nous, pour ma part, on voit pas l'image sur ton live. Hein. On a toujours l'image de Volcanoid. RIP et les dangereuses, ouais, c'est ça. Ça. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh là là, on voit le plafond. Avec ce qui semblait être une aération. Démerder pour vous mettre ça en full screen en fait. Donc menu principal, option. Toujours pas. Option graphisme. Il est où le full screen? Affichage. Ah oui, oh, résolution, on n'est pas du tout dans le bon, là, mode fenêtré, sans bordure, ça me paraît bien ça. Hop, j'ai toujours préféré le mode fenêtré sans bordure au mode plein écran, franchement. Ouais, moi aussi, ça dépend des applis, et surtout pour les lives. Ouais, bah ouais. Donc là, normalement, vous voyez ce que je vois. Bah oui, on voit ce que tu vois. Si je regarde derrière, voilà. Des trucs qu'on ne sait pas voir en temps normal, en fait. On ne sait pas forcément se retourner comme ça dans le jeu. Et voir ce qu'il y a derrière. Ah, il y a une pub là-bas, c'est quoi? Robotics Achille. Quel nom original. Ok, ok. Donc là, si j'y vais à la manette, est-ce que ça marche? Continuer, oui. Okay. Mon dieu, Fabs, qu'est-ce que t'as fait? Gros, t'as fait un tour sur toi-même avec ta tête. J'aimerais pas être à la place de ton cou. j'ai pas de corps. J'ai pas de corps. Non, mais j'aimerais pas être à la place de ton cou dans la vraie vie. Parce que quand tu bouges ta tête, forcément, ton corps comme bouge ça. Avec. Oui, mais j'ai ma chaise aussi. Hein. Je suis ma chaise qui pivote. Ouais, je ah ouais, putain, tu m'as fait peur. T'es fou, je fais un remake de l'Exorciste, en fait. comment? Alors, lancer le didacticiel. Ouais, sauf que j'ai l'impression que c'est le son. Torticolis en live, ouais, c'est ça. putain. Non, j'ai pas l'impression que j'ai le son dans le casque. On verra. Pas le son du jeu en tout cas. Galinette. Oh. Galinette, sans vrai. C'est ça. Ah non, j'ai pas le son dans le. J'ai le son là-bas. Ouais, c'est pas grave. Tous mes élèves ou presque obtiennent leur permis. Ah, bah t'as été chez lui aussi, toi, Willy? De quoi?
Mais le mec, il dit tous mes élèves ou presque obtiennent leur permis. T'as été chez lui? Bah non. Hein? Vu comment je suis là, il vaudrait mieux pas. Bah c'est ça, je pensais que t'étais dans le presque en fait. Oh, il y a un truc bizarre là. Ah, j'ai la tête dans le siège. Faut que j'avance un peu. Hop. Ah putain, là tout de suite, tu savoures quoi. Oh la vache, putain, ça me donne limite envie de germer. Wow. C'est énorme. Vu comment ça bouge un petit peu. Oh là, c'est parce que je bouge vite, hein. Tu vois, si je fais vite comme ça, tu vois, ça fait dégueulasse. Mais si je vais plus lentement comme ça, tu vois, fatalement, pour avoir le temps de. Mais c'est bon, c'est le problème en VR, c'est le fait que. Comment ? C'est que tu bouges vite, quoi. Tu peux bouger la tête quand même beaucoup plus vite. Donc là, pour les combats spatiaux, des trucs ainsi, tu sais, tu vois, t'as le mec qui vient par au-dessus, bah, hop, tu le vois direct, quoi. Ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est sûr que pour ça, c'est le top, quoi. Bah déjà, No Man's Sky, je m'étais déjà éclaté. Ah oui, ça, je m'en souviens bien. En VR, hein. C'était pas mal, quoi. Je suis un petit peu loin, en fait. Mais il y a moyen que je recalibre rapidement avec F12. Ça fait un screenshot en même temps, mais bon, tant pis. Ça me recalibre. Voilà. Une fois que je suis posé bien dans mon siège, j'appuie sur F12. Et là... Il y a Foxario qui demande, c'est quoi comme casque que tu as? Je crois que c'est un Cosmos, celui-là, c'est le Vive Cosmos, ouais. À la salle, j'ai les Cosmos et le Vive Pro. Et là, j'ai repris un des Cosmos de la salle pour jouer à la maison, quoi. J'aurais pu reprendre le Vive Pro, mais disons que le Vive Cosmos, n'ayant pas de capteur extérieur, j'ai préféré reprendre celui-là. Ouais, tu m'étonnes. J'ai juste à le brancher, en fait, et il détecte automatiquement. Ma... Oh putain, là, c'est sûr que là, ça, c'est magnifique, ça. Ça. Ah, vous voyez pas ma main. Mais ça, c'est beau. Ça, là, c'est très beau. Tout ça, c'est très, très beau. Donc, appréhender les rudiments du vol spatial. Ok. J'espère que ça va marcher cette fois avec ta manette. Ah oui, effectivement. Ah, voilà comment il met les commandes de la manette normalement. Je vous avais dit, c'était pas joystick machin, c'était juste le petit dessin avec LS. Ok. Hop. Donc, ça, c'est le tangage. Et le lacet, c'est avec RS. Ça fait chelou par contre. Hop là, allez, on accélère. Et tout ça là en bas, c'est une petite ville, quoi. Réduisez, en bas où okay. Sur la planète? Non, là où là je te montre la station là. C'est, ah quand on va passer dedans, tu vas te rendre compte, c'est vraiment une petite ville en fait. D'accord. Et de loin, ça a l'air petit, hein, mais. LB pour la propulsion inversée, oui, ok, voilà, réaccélérer pour arrêter, ça paraît simple, ok, alors qu'est-ce qu'il raconte le monsieur, décélérer, je l'ai qui dit, mais du coup on n'a pas le son du jeu, t'as pas le son du jeu, attends, pas le son du jeu. Alors là, vous l'entendez moins bien, c'est normal, il a relevé son casque. Ça reviendra. Enfin, on espère. Ouais. J'aurais dû le dire plus tôt, bon, tu sais. Hein. Ah merde, attends, parce que là, du coup, j'étais là-bas au-dessus. Voilà. Bon, vous me direz si vous avez le son du jeu ou pas. Alors, il dit quoi? Traverser le premier point de passage. Ah, il y a juste la petite île là, c'est bon. Ok. Franchissez le premier point de passage. Alors, le premier point de passage, on y va. C'est rigolo de faire ça, je l'ai fait hier, c'est rigolo. Hop. Ah mais en fait là tu vas faire une espèce de course dans la ville, non? Ouais, de petit parcours en fait. Et c'est ça que D'accord. Je suis passé dans la ville, je peux te dire c'est plus grand qu'il n'y paraît en fait. Ouais bah c'est surtout avec le casque VR, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est ça quoi. Visez le centre du premier point de passage. Arrête. Notez qu'une fois franchi, j'ai déjà joué à GTA, hein, mec, ça va, tais-toi. De quoi? J'ai déjà joué à GTA. Ça me fait penser aux courses dans GTA. Ne précipitez pas. Ah! Familiarisez-vous plutôt avec ah, c'est pas faux.
Hop. Bon, la manette, ça va. Ça va. Faut un petit peu d'adaptation, mais... Pour tourner rapidement, l'idéal est de combiner roulis et tangage. Ouh, c'était pas passé loin, ça. Ça, ça fait bizarre à ma teute. Alors, prochain point de passage, il est où? Je le vois pas. Wow, wow! Wow, ok. Petite blague, petite traque. L'autre, il est où? Il est là, wow! Du calme, du calme, du calme. Ça fait bizarre, bon, quand tu fais des conneries comme ça. Bah, tu pourrais accélérer. Ah ouais, j'avais freiné. Pas trop vite. Oh, oh là 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 là! Ouais, c'est pas passé loin. Tâchez de tenir compte de l'angle et de la vitesse de votre approche. Vous voyez le repère bleu près de la jauge de propulsion? Il indique la vitesse de maniabilité optimale. Non, je vois pas. Ah oui, 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 je connais, oui. Oh putain, c'est énorme. Ça passe. Après, il y aura un petit peu de baston, si je me souviens bien. Vraiment un petit peu, quoi. Ce qui me fait chier dans ce genre de jeu, c'est que quand tu fais du 1v1, tu passes ton temps à tourner en rond. Ah bah, ouais, en général. Oh, 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 ça va être chaud, là. C'est bon. Le prochain virage est très serré. Je vous conseille donc fortement de ralentir pour éviter tout ennui. Y'a Foxario qui dit tu peux être étourdi en faisant ça? Ouais, clairement. Clairement, là jouer en vert, je vais pas jouer des heures, hein, parce que je vous assure que. Surtout un jeu comme ça, ça demande quand même de l'habitude, et moi voilà, j'y ai pas joué beaucoup, donc hier j'y ai joué, allez, je vais dire peut-être 3 quarts d'heure, 50 minutes, et après il m'en fallait plus, quoi. Mais aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux, c'est vrai qu'hier j'ai joué un peu plus tard, j'étais peut-être un petit peu plus fatigué, aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux. Je suis moins... Oh putain... Ouais, mais je pense que ça va te dégrider les yeux aussi, faut dire. Ouais, c'est ça, hein. Mine de rien, t'as un écran juste devant les yeux, quoi. C'est ça. Mais c'est pareil, il y a Jules Lab qui dit il avait mal au crâne. Votre vaisseau possède un turbo qui accroît nettement votre vitesse. Utilisez-le judicieusement. Turbo, B pour activer, pour pousser d'urgence. Si vous sur la planète, oh, en espèce de transport. Ah oui, c'était le dernier point de passage. Vous avez prouvé que vous êtes capable de piloter un Sidewinder. Une nouvelle icône. Ah oui, quand tu tournes la tête comme ça, ça ouvre directement les panneaux sur le côté. Cet indicateur représente une balise proche que vous allez devoir analyser. Excellent. Une balise proche, allez, on y va. Cibler la valise. Cibler la valise. La valise. Voilà. Utilisez le détecteur de liaison de données pour analyser la valise. Il faut donc déployer vos points d'emport. Ok, d'accord. X, ok. C'est fait. Bien. Ouh, la lettrailleuse. La plupart des modules externes, dont vos armes, sont montés sur des points d'emport. Je vous rends les commandes. Merci. La balise est petite. Vous devrez vous approcher relativement près. On va éviter de la défoncer. Gardez un œil sur votre vitesse. Ah bah, de préférence. Vous devez analyser l'objet et non le percuter. Ça, c'est un peu mal barré. Vous pouvez analyser la balise. Je crois que je suis passé un petit peu de côté. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Bien. Okay. Le détecteur de liaison de données est un outil polyvalent conçu pour interagir avec des interfaces réseau et des points de données. Ok. Vous devez gagner une autre région de ce système stellaire pour poursuivre votre évaluation. Avec vos propulseurs, vous en auriez pour une éternité. Mais grâce à votre réacteur FSD, vous gagnerez un temps fou. Préparez d'abord le vaisseau. Le train d'atterrissage, le récupérateur de cargaison et les points d'emport doivent tous être rentrés. À votre convenance, accélérez et activez la super navigation. Ok. Zone de formation en combat. Oh putain, j'ai hâte de voir ça. Et
FSD en cours. 4, 3, 2, 1, activation. Oh. J'ai dépassé la cible, c'est pas grave. Contrôle à distance du vaisseau. En plus, je vais même rien faire. Vous allez atteindre une vitesse comparable à celle de la lumière. Qu'à faire. Donc. C pour célérité. C'est pour célérité. La super navigation permet de franchir de grandes distances au sein d'un système en l'espace de quelques minutes. En général, vous êtes aux commandes en super navigation. Je l'ai piqué grâce à votre réacteur LSD. À votre ordinateur de bord. FSD. Ah, moi je vois LSD, je suis désolé. Et là, il y a Nesri qui dit salut, j'avais jamais vu le tuto d'Elite Dangerous, ils ont l'air pas mal bien fait. Bah écoute, ouais, celui-là il était pas avant. Donc je le découvre, mais. Non, je l'ai fait hier. Vous y trouverez les messages relatifs à l'état de votre vaisseau ou à votre environnement. Je l'ai qui dit 3 x 10 puissance 8 mètres par seconde. Ok. Ah, je t'avoue que j'ai pas compris non plus. Non. Ça doit être lié à ta vitesse actuelle ou un truc du genre. On y a zone d'entraînement au combat, ouais, on y arrive tout doucement, hein. On y arrive tout doucement, tranquille, tranquille. J'ai même pas les commandes du vaisseau, c'est pas cool. Je découvre un petit peu la navigation à la manette, ouais, ça va, c'est pas dégueulasse. Décélérer. Les indicateurs de vitesse et de distance du tableau de bord permettent de déterminer quand ralentir une fois à destination. Ah c'est bien, on ne donne pas les commandes, mais quand il s'agit de décélérer, c'est pour ma gueule. Ah oui, c'est pas drôle, sinon faut bien que t'apprennes à utiliser le frein. Oui. D'un méga vaisseau hors service. Y a Julep qui dit c'est la célérité de la lumière dans l'espace, bande de bananes. Et vous pourrez évidemment utiliser les armes. Toi comme moi, il nous a traité de banane. Ouais, ouais, je me doute. Mais bon, en attendant, non, je parie qu'il il est comme il est là, il est avec le wiki ouvert, tu vois, il est en train de balancer ce qu'il est en train de lire sur le wiki, tu vois. Ça, ouais. Pas prendre les gens pour des cons non plus. Ça, c'est fort possible. Le corps engendre un effet gravitationnel, et d'autant plus à courte portée, qui affecte le réacteur FSD et réduit votre vitesse. Bon, ça se trouve, il a appris ça aussi, hein. Possible, hein. Ouais, peut-être, hein, peut-être. Je ne mets pas en doute ses connaissances. Ça se trouve, on est mauvaise langue. Peut-être, peut-être. Comme ça se trouve, on n'est pas mauvais. Oh putain, c'est plus trop proche de la planète, je trouve. Le réacteur FSD est désactivé. Bienvenue dans la zone de combat. Avant d'ouvrir mon le wiki, feu, c'est mon prof de physique, que vous savez, en terminale scientifique. Ah, donc il a réellement appris. Ah, ouais. Alors, analyser le méga vaisseau avec le détecteur. Hop. Comment on fait encore ? Impossible le méga vaisseau, ouais. Là, et puis tu peux analyser, voilà. Mais t'as sorti tes armes ? Oui, oui, il faut sortir les points d'emport en fait. Apparemment, l'analyseur est là-dedans, je sais pas. D'accord, si donc l'analyseur identifié. Il est dans l'arme. Ouais, j'imagine. C'est une façon de voir les choses. C'est rarement une perte de temps. À présent, activez vos armes en basculant sur un autre groupe d'armes. D'accord. RB pour activer un groupe X plus RB. Je vois ça où. Ah oui. Vos armes s'affichent alors sur la TH. Multicanon, laser les à rafale. Les groupes d'armes vous permettent de gérer vos points d'emport. Nous allons évaluer vos capacités au combat. Détruisez plusieurs conteneurs. Hop. Piu. Ça marche pas. N'oubliez pas vos propulseurs. Voilà. Ça me fait penser à la vidéo la vidéo de l'armée en Somalie là qui s'entraîne en faisant les bruits d'armes. Ah ouais, 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 ouais. Jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions. Le laser, lui, peut tirer jusqu'à ce que le condensateur soit vide. Il doit alors se recharger. Je sais pas vraiment s'il y a de quoi rire. Quand même un peu que c'est bon. Sur lequel vous voulez tirer. Et y a Jules Lab qui dit et on devait le connaître par cœur, enfin pour le bac. Ah ouais. C'est quoi, hein, ça déconne zéro. Objectif atteint. Que diriez-vous de corser un peu les choses? Vas-y, fais péter. Ah bah non. Un vaisseau non. Sans équipage est arrivé. C'est là que ça va chier. Utilisé comme cible d'entraînement par le cercle des pilotes. Ils sont presque inoffensifs. Assurez-vous d'avoir la cible dans votre réticule. Pourquoi tu me détruis ce vaisseau, t'as rien fait ?
Ah bah oui, au combat, viser l'adversaire pour espérer le toucher. Non, on s'en deck. Ça marche bien quand même, il paraît. Putain, mais elle est bonne, leur blague. Le réticule se déplace. Attention, vers la pour manger, vous voulez apporter l'aliment près de votre bouche. C'est ça. C'est ça. Ah, rappel, si vous l'approchez près de votre anus, cela ne passe pas. Enfin, ça passe, mais ça va le faire à rien coup de merde. Faut que j'arrête. Wow. Là, je vais me retourner la tête. Ah. Oh putain, ça c'est beau ça. Beau travail. J'espère que vous avez noté l'efficacité des multicanons contre les cibles sans bouclier. Un autre vaisseau non, vient d'arriver. Vraiment. Il dispose d'un générateur de bouclier. Par chance, votre laser à rafale est une arme thermique très efficace contre les boucliers. Ok. Il se cache, hein, le petit enfoiré. Où tu vas? Où tu vas? Je suis censé être ciblé en fait, hein, je te rappelle. Si. Wow, il est où? 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 Il est derrière. Qu'est-ce que t'en sais, Willy? Bah, je sais pas, ça paraît logique. Aussi bien, je sais que tu peux t'alcooliser en te mettant. En te mettant un tampon imbibé d'alcool dans le. Hein? Mais. Non, ah, non, non, mais la nourriture, ça passe pas. Oui, c'est dégueulasse, je suis d'accord, mais bon. C'est la question qu'on me pose, moi. Allez, viens par ici, petit peu. Ça a l'air d'être vachement immersif. Alors là, ah ouais, ouais, une fois que t'es en vert, ouais. Votre dernière cible est arrivée sur zone. Cette fois, l'ennemi ripostera, même si ses capacités offensives sont très limitées. La cible ne réagira pas avant que son bouclier soit endommagé. Tirez quand vous êtes paré. Alors, il est où? Aller trop loin du gros vaisseau, donc ça sert à rien de cavaler. Allez, viens. J'arrive à l'heure. Je
tout cas, il fume d'arbre. Allez, ouf, c'est pas passé loin là. Salut Saint-Paul. Yo Saint-Paul, comment ça va, poteau? Ouais, c'est vachement impressionnant. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si facile. La petite musique genre Star Wars dans les oreilles, j'avoue. Je suis assez fier. Je suis en marche arrière, je suis assez fier. Ah, oh, bah il a pété. Ah. Même okay. Si vous envisagez une carrière plus paisible, la maîtrise des rudiments du combat est essentielle à votre survie dans l'espace. Pour approfondir votre maîtrise de combat, reportez-vous au manuel du pilote. Bah, j'imagine qu'en plus, ouais, là, c'est des petites armes de base. Dans la prochaine partie, vous devrez effectuer un saut en hyperespace. On va pouvoir upgrade tout ça. Pour l'occasion, oh, bah écoute, Sopol, ça va, la fin. Tranquille. L'objet d'une prochaine leçon. L'indicateur de champ gravitationnel, en bas à droite, est allumé, car vous êtes à proximité d'un objet massif qui vous empêche d'activer le réacteur FSD. Tâchez donc de vous éloigner à distance raisonnable du méga-vaisseau. N'oubliez pas, le turbo peut accroître temporairement votre vitesse. L'indicateur s'est éteint. Activez le réacteur FSD dès que vous voulez faire un saut de plusieurs années-lumière. Allez, on y va. Point d'emport, sortie. Ah ouais, point d'emport, c'est ça. Hop. Voilà, donc tout est bon. On peut y aller. Nickel. Là, ce serait bien d'avoir le chat là dans le jeu directement. Bah ouais, ça serait bien, mais malheureusement, si tu peux pas. Mode de réception, social, histoire. J'ai obligé de m'interrompre, madame. C'est parfait. Ah, c'est autre chose que Space, hein, les sauts. Et même comme No Man's Sky, ceux de No Man's Sky sont possibles. Il faut que je me rabonne à ta chaîne, Willy, vu que mon ordi est de nouveau OP. Tu sais que même si jamais t'as un ordi pourri, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est ça, quoi. C'est fou quand. Après, c'est toi qui vois, hein. Moi, mais ne vous laissez pas aveugler par cette simplicité d'utilisation. Prochain arrêt, Quello. Après, ouais, c'est sûr que si jamais ton PC n'arrivait pas à faire tourner les vidéos de PSNJ, là, il y a un problème. C'est là, je te l'accorde. Hop, donc navigation. Sélectionnez ce spatioport dans la liste des lieux, puis l'option super navigation assistée, la deuxième. Super navigation assistée, voilà. Une fois votre destination sélectionnée, faites cap vers votre cible et accélérez. Orientez-vous avec la boussole à gauche de l'écran des capteurs. Et sur comme ça dans SE, ce serait dingue. Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, plein de beaucoup de choses comme ça dans SE, ça serait dingue. Oh bah oui. Il y en a beaucoup. C'est parce que nous on aime bien, mais finalement c'est vrai que quand on regarde dans l'ensemble du jeu, il manque quand même énormément dans Space. Ouais. Mais quand tu prends Empyrion, il y a plein de trucs en plus, mais il y a des trucs qu'on aimerait bien, qui manquent aussi, tu vois. C'est bon, enfin voilà. On peut pas tout avoir dans un même jeu, en tout cas pas jusque maintenant. Aligné avec destination cible. Là, super navigation assistée désactivée. Pourquoi? Quoi, qu'est-ce qui se passe, je me fais pas attaquer. Il y a un Nesric qui dit sinon t'as l'option téléphone, ça fonctionne bien aussi. Option téléphone. Super navigation assistée. De quelle option téléphone tu parles, Nesric? Pourquoi c'est désactivé, j'en sais rien. Hein. 23 jours? Non, ça va faire un peu long le live. Légèrement. Aligné avec destination cible. Ah ben. Là, super navigation assistée activée. Ah ok, voilà. J'étais pas assez précis dans mon alignage. Ne pas changer de cible ou la super navigation assistée se désactivera à nouveau. D'accord, je touche à rien. Notre vaisseau est maintenant en route pour Quello Station. Profitons-en pour passer en revue les tableaux de bord de votre cockpit. On l'a pas déjà fait ça? Le tableau de bord externe permet d'interagir avec le reste de la galaxie. Et notamment d'accéder aux cartes, d'afficher vos contacts ou d'évaluer des objets proches.
Le tableau de bord interne affiche des informations sur votre vaisseau et vous-même. Pour regarder les lives. Ah, pour regarder les lives, il y a le téléphone, oui, bien sûr. Mais bon, après, tout le monde n'a pas internet sur son téléphone. Et à moi. Se demandent souvent comment débuter leur carrière. Ah, d'ailleurs, je me suis fait arrêter par les flics ce matin, et puis il m'a pris pour un malade. Monsieur, vous n'avez pas internet sur votre téléphone? Mais comment c'est possible? Bah, je sais pas, un téléphone, ça sert à téléphoner, monsieur. Par contre, des légers freeze toutes les 10 minutes, alors que je suis passé sur une Ryzen... Sur une Ryzen 9 3900X, c'est incompréhensible, j'avais pas de souci avec mon i7-6700K avant. Ah, sur Space Engine, Foxario, oui, bon. C'est ouais, bah c'est normal. Du freeze, ça c'est Space Engine, c'est un petit peu sa marque de fabrique, tu vois. C'est ça. On aimerait qu'il n'y ait pas de marque de fabrique, mais il y en a une quand même. C'est comme ça. Oh. Ça fait mal aux yeux, ça. Ça brille fort. Et quand ça brille en VR, ça brille, hein. Tu m'étonnes. 21 km, hop, on va demander. Ah, je peux pas encore demander. Wow. C'est toujours bizarre quand ça apparaît comme ça. Bienvenue à Fuelo Station, nous en avons presque terminé. Vous attendrez bientôt bien. Ici. Mais commencez alors. Par approcher du tunnel d'accès du spatioport. Non, Foxario, c'est pas ta confé comme le dit Jules Lave, c'est le jeu, en fait, clairement. C'est moi sur le jeu, maintenant, je me mets à avoir des blocs invisibles, j'arrive à passer dans le sol. J'arrive même à passer dans les blocs. Et différents services de vaisseau. Pour te dire que voilà. S'effectue par le biais de l'interface. C'est en aucun cas ta confiance, t'inquiète pas pour ça. Une fois à quai, n'hésitez pas à consulter cet écran. Tiens, j'en suis venu au bout, je me pose plus de questions. Donc on avait dit tout à l'heure c'était cible. Ah, je peux pas. Dirigez-vous vers le tunnel d'accès. Bah oui, bah j'y vais, ça va. Hein. Oh. Calme. Calme et rationnel, Fabs. C'est quoi ces IA agressives là? C'est moi qui dis ça. Ouais, c'est ça quoi. L'hôpital qui se fout de la charité, c'est ça qu'on dit? C'est charmant. Parfait. Réduisez la propulsion à zéro et maintenez. C'est con d'ajouter les trucs, ça réduit les perfs. Et tâchez de ne pas bloquer le tunnel d'accès. Tâchez de ne pas bloquer le tunnel d'accès. Bon, on va essayer, hein, genre. Nous allons utiliser l'ordinateur ça me rassure, pour cette manœuvre. Vous pourrez vous poser manuellement à l'avenir, mais entraînez-vous d'abord avec un simulateur. Entraînez-vous d'abord avec un simulateur. Je suis dans quoi là? De prédilection, il vous faut d'abord demander l'autorisation d'apponter. Je sais. Vas-y. Pour faire une demande d'appontage, sélectionnez l'onglet Contact du tableau de bord externe. Sélectionnez ensuite Pueblo Station et choisissez Demander appontage sur le panneau d'information. Ouais, sauf que c'est pas l'onglet Contact, c'est l'onglet Cible, hein, mais bon, c'est pas grave. Merci monsieur. La plateforme d'atterrissage 3 vous a été assignée. La boussole vous indique où la trouver. Pour obtenir une autorisation d'appontage, le vaisseau doit être à moins de 7,5 km du spatioport. Moins de 7 km. Ah, j'aurais dit 6, moi. Dans mon souvenir, c'était 6. Oh putain, la musique de ouf. Je me tais, écoutez la musique. Quoi qu'en truc automatique comme ça, c'est génial parce que je pose la manette et là je savoure quoi. Là je peux faire mon truc. Mais là tu vois, y a Foxario qui dit dans quelques années sur Space NG on aura un jeu complet mais qui se jouera en screenshot uniquement si ça continue. C'est ça. Il a pas totalement tort. C'est ça. Le truc à 1 FPS toutes les 10 secondes. Histoire de bien assimiler tout ce qu'il y a à l'écran, tu vois. Coelho Station. À présent, voyons un peu comment l'ordinateur d'appontage effectue cette manœuvre en toute sécurité. Oui. Vas-y. Apponte seulement, moi je suis. Le train d'atterrissage bien, là. J'adore les vaisseaux Tesla. Consultez l'indicateur correspondant. Ou alors quelqu'un reprendra le jeu d'ici là et elle refera entièrement. Oh putain, j'aimerais. Ouais, oui. Oh, ce serait tellement bien. T'imagines un Defcom Kios qui le fait ça? Mais je dis oui, hein, carrément. Hein. Ah, mais y'a pas photo. Hein. L'écran des capteurs va basculer en mode approche de précision. Un affichage conçu pour faciliter la phase finale de l'atterrissage. Oh, pardon, ça va? Je n'ai plus qu'à préparer votre vaisseau. Bah, okay. Félicitations, commandant. Vous avez passé cette évaluation haut la main. Nous procédons à l'attribution de votre permis. C'est gentil, merci. J'ai eu mon permis, ouais. Dossier. Entrez dans le hangar pour terminer l'évaluation. La galaxie vous tend désormais les bras. Et désormais, votre destinée ne tient qu'à vous. D'accord.
D'accord. Bon. Est-ce qu'après ça, on a assez pour faire une petite mission? Ouais, on va regarder. Formation, hop. Salut Titou! Yo Titou, comment tu vas, poteau? Alors, scénario défi. Une sélection de scénarios défi encore plus corsé. Non. Bah non, on va pas. Jeu ouvert. En mode jeu ouvert, vous pouvez rencontrer d'autres commandants ayant opté pour cette même expérience de jeu. Session groupe privé. Non. Solo en ligne. En mode solo, vous ne rencontrez directement aucun autre commandant. Vous évoluez toutefois dans la même galaxie que les autres joueurs. Y a Nesri qui dit, mince, du coup, si on fait pas le tuto, on n'a pas notre permis? Bah c'est ça, apparemment. C'est ça, j'imagine que... Voilà, tu peux pas aller partout si t'as pas de permis. Alors, là, par contre, ah, c'est bien, on m'a largué là, et je fais quoi? Il y a Titou qui dit, il a bien évolué, Elite. Bah écoute, on va voir, hein. Déjà, aller voir à la station, on va voir si on peut trouver du travail. Ah, c'est quoi ça? Une récompense gratuite. Bonjour, comment... Oh putain, pourquoi j'ai pas pu lire le message? C'est quoi ce bordel? Parce que j'ai parlé, il a fui. Ouais. Infiltré mission. Non. Le cercle des pilotes est ravi d'offrir une livrée pour Sidewinder à tous les pilotes ayant obtenu leur permis. Vous trouverez ce cadeau dans la section livrée. Ok, merci. Je crois que c'est ce que j'ai eu hier et que je viens d'installer. En fait. Livré, c'est un skin en fait. Jules, tu peux le taquiner longtemps. Fabs, il voit pas les messages. Il y a que moi qui peux lui dire. C'est ça. Si Willy me dit pas ce qui est écrit, je le vois pas. Il y a Jules qui dit c'est bientôt l'heure du café. Ah ouais. Oh putain l'enfoiré. Comment je fais pour boire? Ah je vais boire. Il faut que je boive à la paille. Ah c'est punitif ça, pas de café, pas de clope, rien. Bon pas de clope ça va, à la limite tu peux assumer, mais pas de café non. Y'a Foxario qui dit par contre Fabs, si c'est pas parce que t'es dans l'espace que tu dois pas respecter le confinement. Attention à pas faire, Attention à pas te faire contrôler par la police spatiale. D'accord. Est-ce que t'as ton attestation? Ouais elle doit être quelque part, attends, je regarde. Oh, du calme. Ouais, là, elle est là, derrière mon thermo, tu vois. Derrière ton thermo ou quoi? Ouais, tu verras dans le jeu là-bas, il y a mon thermos, derrière il y a mon attestation. Du coup, j'ai raté l'entrée, moi, elle est où? Et c'est pour la tour. Elle est où l'entrée? Ah, mais il faut que je demande l'autorisation, non? Oui, si, sinon je vais me faire tuer. Cible. Thompson Duck. Demande appontage. Derrière le thermos avec la paille. Bah ça doit être ça à mon avis. Appontage automatique en cours. Ah pourquoi il fait en automatique? Ouais c'est peut-être pas plus mal. Ça t'évitera de te prendre un mur. Ouais je crois que c'est un setting ça, il y a un réglage ça. Fox toi qui connais bien Elite. Il y a un réglage ça. Analyse de vaisseau détecté. Quoi je suis en train de me faire scanner. Ah bah oui la testation. Ça va, je transporte rien, les gars, j'ai tout laissé chez moi. Tu as même pas de la contrebande de café, franchement. Non. Va nous faire croire ça. J'ai tout mangé. T'as mangé le café, mon dieu. Oui, il y avait pas d'eau. Il y avait pas d'eau. Ah ouais, Titou, il joue en vert là. Ouais, regarde, là, tout ça, c'est énorme. Alors, il va se poser. Parfait. Même ça, fallait pas faire, parce que j'aurais encore oublié. C'est une spécialité chez moi d'oublier d'être un atterrissage. Ah, profite que tu sois posé pour aller chercher un café. C'est ce que je vais faire. Entrer dans le hangar. Je vais pouvoir courir ton live et puis je vais pas t'enlever la maudite situation. C'est ça. Ouais, je peux te mute aussi quand je m'en vais, si je veux. Je ne te ferai pas ça. Ouh là, c'est quoi tout ça? Ouh. Ouais, il y a Streamlab qui botte, qui spam. Ouais, je sais. Pilote, fédération, administration, système non contrôlé, solde 1000 crédits. Hein? Quoi, tu veux me racketter? Il veut faire quoi, lui? C'est avec grand plaisir que la station Mawson Dock vous accueille, commandant. Ok. Marché, tableau de mission, salle d'attente, contact, universel cartographique. On va aller voir tableau de mission. Juste avant, Fabs, tu stream avec quoi? Avec OBS?
Ouais. Essaye de recharger le cache d'OBS pour Yoti, parce que je crois qu'il déconne comme moi. Bon. Bah ouais, il reste bloqué à 391, mais je suis sûr que c'est pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû voir des pubs. Non, peut-être pas en fait. Ah, ou peut-être pas, après, je sais pas. Je sais pas où il est, moi je trouvais que c'est la plus toi. Hein. Rafraîchir le cache de cette page. Voilà, tu vois, t'es redevenu à zéro. C'est ma nuit. Ah non, 392, t'as vu, il y en a un qui a été. Alors, travail de transporteur disponible. Bah, ça me paraît bien ça. Attends, tu dis que c'est écrit 392 ? Ah non, c'est bon. Ok, non, excuse-moi, c'est le temps que ça se mette à jour. Hop. Alors, on a travail de transporteur disponible. Ah non, je suis à la manette. Oh, je suis dans quoi là ? C'est quoi ça ? Légal, illégal, combat, transport. Non, légal, c'est très bien. Travail de transporteur disponible. Destination Dromi. 29226. Bon, pourquoi pas. Apporter les données à la station d'Imri Prospect dans le système Dromi. Les données seront stockées dans votre ordinateur. Elles ne prendront pas de place dans votre soute. Vous recevrez votre récompense à la livraison. Planifiez votre voyage en utilisant la carte pour vous assurer que votre itinéraire est viable. À mesure que votre réputation évoluera, on vous proposera des missions de plus haut rang. Celles-ci sont plus risquées, mais les récompenses sont également plus intéressantes. Bah oui, fatalement. Ça paraît un peu logique. Le perturbe pas, dit 392. Alors, retour, accepté. Bon, accepté. Voilà. Hop, pilote fédération. Ouais, je me suis pas encore penché sur tout ce qui était RP du jeu. Lol, Sidewinder. Pourquoi c'est fucking Ham? Pourquoi il y a fucking dans un nom qui a l'air de me. De me toucher personnellement, c'est quoi ça? Livret, boutique. Sidewinder, livret. Livret, c'est la skin, ça. Je crois. Buckingham, c'est la version futuriste de Buckingham. Ouais, c'est ça. Soul Crugger. Okay. Bon, bah, je voulais pas aller me garer, mais visiblement, j'ai pas eu trop le choix. Ah, ça. Ah, c'est pour changer de skin, ok. J'en ai qu'une. Oh, oh Fox. Ah, tu l'as vu du coup? Ouais. Ouais, ça sonne dans mon oreille. Merci ah, Fox, d'accord. C'est cool. Fox qui a fait un don de 3 euros. Merci mon ami. Peinture émergence, bah, c'est celle que je sélectionnais. Et voix du vaisseau, c'est ça que je disais tout à l'heure, ils ont rajouté des voix, il y a une voix française. Il y en a qu'une, donc j'ai pas le choix, qui s'appelle Amélie. Bienvenue, commandant. Je suis ça va, quoi, ça fait, votre COVAS, ou système de communication vocale d'assistance. Mon rôle consiste à vous fournir informations techniques. Karina, Céleste, Léo, je fais partie de Maxime, Vittoria, Luciana et Gérard. C'est pas comme ça qu'on écrit Gérard, je suis désolé, mais. À mon avis, c'est en allemand, non? Attends, bah écoute. Oui, oui, c'est en allemand, c'est sûr. Attends, qu'est-ce que c'est? Bienvenue, comment? Ich grüße Sie, Kommandant. Dies ist Gerhard, Ihr Cockpit Voice Assistant, kurz COVAS. Ich war schon pas installiert, um Sie bei Reisen mit Systeminformationen und Analysen zu versorgen. Ich bin gemäß Statut B729. Ach, wo ist der Gerhard? Ah, bon, je préfère Amélie en français, c'est quand même beaucoup. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà. Donc, on a une voix de vaisseau française. Hop, quitter. Donc, je pense pas que j'ai besoin de grand chose en fait. Service de Stasioport. Faire le plein. 10 crédits. Bon, on va faire le plein. Hop. Voilà. T'as combien de crédits? Service de vaisseau. J'en avais 1000, j'en ai 990. Voilà. Combien? Service de en français? 990. Alors, 990, bon, ça va, tu peux faire des milliards de fois le plein. Point d'emport, arme du vaisseau, support utilitaire. Bon, à mon avis, je dois pas encore toucher à tout ça maintenant. Un terme de primordiaux, c'est tout ce qui est stockage et tout ça, je crois. Il y a Jules Lab qui dit on n'a pas tous choisi espagnol à l'école, c'est vrai. Non, c'est ça. Bon, ben on sort de retour en surface. Bah, et ton café là? Ah merde! Bah c'est rien, tant que je suis en surface, j'ai pas encore décollé. C'est pas bien que j'ai décollé.
Après, je peux faire des collages automatiques, mais si mon Senseo me fait chier et que j'ai pas mon café assez vite, je vais me retrouver dans l'espace à Walpé, quoi. Ah, eh, ça. Donc, ouais, il y a des. Eh, putain, il y a des trucs à roues là-bas. Je sais bien, vous voyez pas mon doigt, mais. Ah, putain, c'est stylé, quoi. Faut une course, on dirait. Il y en a d'autres là-bas. Ah, ouais, il y en a d'autres là-bas. Ah, putain, c'est trop stylé. Je voudrais habiter dans un endroit comme ça. Non. En fait. Ah, ça. Bon, je vais me faire un café, poto, je reviens. Dac, à tout de suite. Oh, putain, ça fout la gerbe quand il enlève le casque. Ouh. Ah non, c'est bon, il l'a posé. Oh là là, on est 4, on est 15 sur le live et il y a que 5 pouces bleus. Oh là là, mais Fabs, il est friand des pouces bleus, mettez-lui en. Enfin, franchement. Et là, tu déposes une galette. C'est ça. Le machin est tellement que même devant ton écran, t'as le tournis. Ah, on est passé à 8, c'est bien 8. Ça fait la moitié de l'autre. Salut Guillaume, Fabs est parti chercher un café. Et du coup, c'est moi qui transmets les messages, vu qu'il est en VR, mais qu'il n'a pas les... Qu'il n'a pas le, comment dire... Qu'il n'a pas le chat dans son truc. Magnifique. Excusez-moi, je suis en train de creuser. Je suis en train de creuser mon hangar dans Space NG. J'ai quasiment fini d'ailleurs. J'ai creusé un côté, je suis en train de creuser l'autre. Et après ça, on sera bon. Lors des prochains épisodes, on pourra commencer à le construire en finissant notre bunker qui est au sol rose. Est-ce qu'il a pris l'extension Horizon? Non, je ne crois pas. Oui, je t'ai vu commencer ce matin. Alors non. Alors non, Guillaume, je n'ai pas commencé ce matin. En fait, hier, quand j'ai arrêté Space NG, le processus de Space NG ne s'est pas arrêté. Littéralement, jusqu'à 14h aujourd'hui, il y avait le processus de Space NG qui était ouvert. Mais sauf que, non, je jouais pas à Space NG, en fait. Simplement le processus qui était resté ouvert, parce que... Why the fuck not? Non, ce matin, je suis parti à mon entretien, tout ça, d'ailleurs... Pour ceux qui ne le seraient pas, je commence mercredi. Avec demain, vous avez grande chance d'avoir un live. J'ai fait 8 pubs, et il n'y en a pas plus. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est... Quoique, si, c'est bon, c'est passé à 3/99, du coup. Faut éteindre le PC la nuit. Ah, bah non. Par contre, on met les épisodes en ligne, on peut pas. Non, mercredi matin, 6h. Il est éteint que quand il crache, ouais, c'est ça. Il manque une pub, ça me stresse. Elite et le DLC... Oula. Elite et le DLC 15 francs, il était en promo sur Steam. Sopol, les francs, c'est dépassé depuis longtemps. Hormis si jamais, si jamais t'habites en Suisse et que t'as encore les francs suisses. Mais à part ça... Ah, c'est ça, c'est les francs suisses, on me disait aussi. Et moi, je l'avais déjà acheté lors des promos de Noël. Elite Dangerous. Il m'avait coûté vraiment pas cher. Mais je crois que j'ai pas le DLC qui va avec. Tout comme Fab, je crois pas qu'il a le DLC d'ailleurs. Non, je l'ai pas. Non, ce qui me semblait aussi. Y'a Guillaume qui est arrivé. Guillaume, comment ça va, poteau?
Il y a Guillaume qui écrit « Je crois qu'il est de retour » et il y a Jules Lab qui dit « Avec son casque VR, je crois qu'il est en train de se revisser la tête. » Ouais, c'est ça. Ouais, mais je l'ai pas encore descendu, là. Je suis en train de faire un petit peu de chat. Ça va, Guillaume ? Il y a Nesri qui dit « Il est souvent à 12e pro... à 12 euros en promo avec le DLC Horizon. Mm-hmm. » À 12 euros avec le DLC ? C'est pas cher, ça. Ouais, faut avouer que c'est plus intéressant que les DLC de Space NG. Ouais. Lol. Je me demande le DLC sur un stand gaming, faudrait que je regarde. Oh. Ah, Fabs, tu as atteint les 400 vues. Oh, merci Jules. J'ai vu qu'il disait que ça le serait passé qu'il en manquait une. Et Guillaume, c'est Guillaume qui a rendu le compteur. Ah, Guillaume, merci Guillaume. Y a Titou qui dit, moi j'ai Horizon et ça rajoute un peu plus de choses, c'est pas mal. Ouais, tu peux te poser sur les planètes, il y a les rovers, des trucs ainsi, c'est ça Titou. Désolé les gars, je peux pas clope parce qu'il va reprendre. Bah, fume ta clope dans le casque VR, ça va être drôle. Non, mais je l'ai remis au-dessus en fait. Ah, d'accord. Il y a Guillaume qui dit sur Instant Gaming, il est entre 12,89 et 17,98. Ouais, il est à 35 Steam, je crois, le DLC. Ça fait mal au cul pour un DLC. Après, ouais, ça fait mal au cul, ouais. Après, bon, tout dépend du contenu que ça rajoute aussi. Bon, du coup, attendez, je vais quand même boire un petit. Ça m'a bien cherché, c'est bien quoi. Ah, j'ai pas pris de paille, j'aurais dû. Allez, vas-y, va chercher ta paille. Bah, ça va, parce que je suis capable de me la foutre dans le nez. Bah, ouais, t'sais, mine de rien. Bon, décollage automatique, mais j'ai pas trop le choix, visiblement. Tiens, il avait répondu, Fox. Non, je crois qu'il a pas répondu, je te lis tous les messages depuis tout à l'heure. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, bon, on va faire décollage automatique. Y'a Nesfi qui dit, c'est rien comparé aux heures que tu peux passer sur ce jeu si t'aimes bien le jeu. Ouais, c'est ça, hein, enfin, moi je compare toujours à du truck simulator de l'espace, en fait. Parce que tu sortiras jamais de ton vaisseau, à part aller dans d'autres trucs, mais... Voilà, moi sinon, ouais, c'est vrai que esthétiquement c'est magnifique. Oh, c'est stable. T'es dégueulasse, merde. T'as l'air assez stable quand même par rapport à certains jeux, notamment Star Citizen, là, que j'avais vu que c'était un peu. Ouais. Encore un peu galère. Y'a Foxario qui dit regarde à ta droite dans le vaisseau et il devrait y avoir le thermos pour ton café. Ah oui, là, hein. Il est là. Il est là. Et à côté, attends, c'est quoi le bouquin qui est à côté? Space Traders, ouais. Flight Training Manual. Volume ouais, Foxario, il y a Fabs qui demandait tout à l'heure pour le pilotage automatique, pour rentrer en fait dans les stations. Ouais. Il demandait si jamais il n'y avait pas une option pour enlever ça, ou si jamais ça devait toujours être automatiquement fait par le jeu en fait. Motion Dock, non, c'est pas là que je dois aller. Il y a Tito qui dit, moi je teste la 3.9 de Star Citizen en public test univers et ça a l'air d'être stable. Ah ouais. Bon, écoute. Dimery Prospect, c'est là qu'on doit aller. Verrouiller destination, verrouiller activer super navigation, carte du système. Non, deuxième, verrouiller activer super navigation, ça m'a l'air pas mal ça. Donc il est. Je vois pas le point de cible. Ah, il y a monsieur Nico45 qui dit oui, tu peux rentrer en manuel dans les stations. Ah oui, mais je sais plus comment. C'est ça, la question c'est comment en fait. Je trouve pas ma cible, je connais pas assez le GPS que pour trouver. Y'a Foxario qui dit alors là, aucune idée, désolé, j'ai seulement 2 heures de jeu sur Elite. Et ah, j'ai il me pas semblait jouait plus que ça. Jeu. Ah, il me semblait que tu jouais plus que ça, moi. Excuse-moi, poteau. Dimery Prospect. Y'a Sopol qui dit il me semble qu'il peut faire des factions. Ah, oui, sûrement, oui. Ah, Dimery Prospect, là-bas. Hop, donc on est censé s'aligner à ça. Non, oui, non, peut-être. Peut-être pas, ouais. Et mettre ça en route. Champ gravitationnel. Ah oui, il faut que j'aille plus loin. Ah ben on se casse. On repart à la station. Turbo. Le turbo c'est B, je crois, ça j'ai retenu. Ouais, c'est ça.
dire qu'il y en a plein d'autres des stations, parce que je vois toujours les quatre mêmes. Ce serait bien d'en trouver d'autres. Mais ah, bon, après, voilà, j'y ai pas joué beaucoup. J'ai 67 heures sur le jeu, je savais même pas que j'en avais autant. Il y a Tito Click qui dit « Normalement, c'est un bidule qui est installé sur ton vaisseau et c'est ça qu'il faut désactiver ou enlever de ton vaisseau pour pouvoir rentrer en manuel dans les stations. » Ah ok, je regarderai dans l'ordinateur après. Il y a Foxario qui dit « Non, juste essayer, mais je trouve que c'est vraiment trop de la merde au clavier-souris et j'ai pas de joystick, donc j'ai lâché l'affaire. » Ah ouais. Bah écoute, moi j'ai un joystick, mais là, sur le coup, je suis revenu sur la manette parce que le joystick n'a pas assez de boutons pour le jeu. C'est vrai que le joystick date de 1912, donc... Ah oui, non, ici je voulais voir vaisseau. Tac, vaisseau. Par extérieur. Nanana. Mode navigation. Assistance de vol. Appontage automatique. Oui, j'ai vu. Hop, hop. Appontage automatique, oui. Décollage automatique, oui. Ok. Ça, je peux mettre sur non. Ça, je peux mettre sur non. Ok, ça a l'air bien ça. Merci, je sais plus qui. Je crois que c'est Titou. Non, c'est Nico qui dit. Ah, Nico, merci Nico. Non, pardon, c'est Titou. Oh, merci les potos. Sauf je vais me faire lâcher parce que je raconte des conneries après. Non, poto, mais t'inquiète, hein, c'est pas. Il faut dire. J'ai perdu ma Cortana. Il faut dire la vérité à tout le monde. Actuellement, bon, je suis dans la cave de Fabs, il me séquestre. Aidez-moi, je vous en prie. C'est ça. En fait, j'ai cadenassé son scooter et je lui ai dit qu'il pouvait plus l'avoir tant que décélérer. Oh. Vous vous rendez pas compte de ce qu'il me fait. Il essaie de m'insérer des choses toujours plus grandes et toujours plus longues. C'est dégueulasse. Et je vous dis pas où est-ce qu'il essaie de me les insérer. Oh. Ça va aller, oui. Ça devient obscène. Hein. La Winnie, Willy. Winnie. Comment ça, Willy? Y'a pas toi, quand même. Winnie. Pauvre Fabs, en plus, tu dois le nourrir. Ah, ça coûte cher, ça pour bien dire. C'est ça, quoi. Il y a Titou qui dit oh là là, le Willy qui perd la boule. Mais non. Ah, Titou, je vais être obligé de te bannir pour ce commentaire. Je suis désolé. Mais c'est quelque chose que je n'accepte pas. Non, je déconne. Mais quand même. Je crois que je suis sorti un petit peu trop tôt de. Du vol rapide. J'ai pas trop bien capté le truc. Bon, bah rendez-vous dans 6 jours, les gars. Donc Y, chargement. Je veux pas aller loin. Je veux aller juste tout près. Mais non, mais tu les connais, tu peux les laisser ton message. Ces gens qui n'ont aucun humour. Il a écrit Winnie l'ourson dans le chat. Il lui a dit que j'allais le bannir, du coup il a eu peur. Décélérer, oui, voilà. Enfin... Ah voilà, c'est bon. Oh, faut choper le truc, quoi. Ah, je suis quand même encore à 8 km. Ah non, 8 km, ça va, tranquille, ça. Tranquille. Donc on va faire notre premier appontage... Manuel. Manuel. Attention, ouais. Sortez vos appareils photo. C'est ça, sortez les extincteurs, surtout. C'est ça. Winnie chez Mod, ça sent bien pourtant, ça sonne bien pourtant, tu devrais réfléchir. On va demander l'appontage. Ouais, pas vraiment fan de ça. Rejeté. Rejeté, pourquoi? Ah, ils ont senti la corde rivière. Non, toi, tu viens pas dans notre station, toi. C'est quoi cette histoire? Pourquoi je peux pas? Demande d'appontage rejeté. Pilote, fédération, administration. Ouais, bah, il y a des airbags sur ton vaisseau, j'espère. Oh, je pense que... Vous entrez dans une zone neutre. Il y a Titou qui dit ton carburant, Fabs, fais-y attention. Carburant. Bah ça va, je suis corps full là, non? Bah si je comprends bien la jauge. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Ah non, il y a une jauge au-dessus. Ah ouais, ok. Mais s'il me laisse pas rentrer, je fais comment moi? Je les défonce? Non, il y a Titou qui dit tu es trop loin, Fabs, pour faire ta demande. Non, c'est 7 km et demi. Bah je vais encore avancer un peu, mais...
Elle l'a dit tantôt là, madame, dans le casque. Je vais me faire démonter, moi, si j'avance de trop. Parce que quand tu fais pas ta demande et que t'avances trop, tu te fais éclater. Accordé. Ah ouais, ok, merci Titou. Bon, bah tantôt elle avait dit. Je sais pas en fait. À mon avis, on t'attribue pas de place, donc du coup, bah. Ah, y a Nesri qui dit non, c'est moins pour les avant-postes. C'est quoi? C'est moins pour les avant-postes. Donc là, vu que c'est un avant-poste, okay. tu dois te rapprocher plus en fait. Ok. Bah visiblement ça a marché. Titou avait mis le doigt dessus. Et on rentre par où? On rentre par là? Ok, j'imagine. On rentre par le trou. On va essayer, hein. Écoute. Y'a Titou qui dit j'y ai joué 398 heures. Oh, tu as joué presque autant d'heures que Fab sa pub. à deux pubs près. Y'a Monsieur Nico 45 qui dit et si l'avant-poste est complet, tu devras attendre ton tour. Ah oui, ok, je dois atterrir comme ça. Ok, d'accord. Alors, y'a Guillaume qui te donne un conseil très avisé. Vise bien. Ouais, bah, j'ai vu où était la plateforme, j'ai vu que j'étais très mal engagé. Donc, je vais changer d'approche. En fait, je pensais que c'était une porte, et en fait, non, c'est la place où je dois me garer. À 2 heures près, c'est mon nombre d'heures sur ce qui dit Fourseuil. Ouais, c'est là qu'on est censé se garer. Oh, c'est censé... Oh putain, ça tourne cette histoire. Attends, je suis censé me garer où? Je sais plus. Ah. Je sais plus. 01. Là, ah là. Oh putain que c'est sensible. Oh. T'es sûr que tu veux prendre l'avantage automatique? Non, il faut que j'y arrive à la main, tu rigoles, mais bon voilà, la manette c'est vrai que c'est assez... assez ah ouais, sensible. Non mais là ça tangue beaucoup quand même. Ouais, ça c'est moi ça. Je retrouve la station. Merde, j'ai perdu la station. Elle est... Ah bah c'est très cool ça. Elle est... Ça doucement, tranquillou. Ça demande de l'apprentissage, hein. Je vous avoue que le jeu ne s'aborde pas comme ça non plus. Y a Foxario qui te donne un autre conseil très intéressant, c'est évite de rentrer dans le mur. On va essayer, hein, écoute. Y a Nesri qui dit c'est méchant, mais c'est drôle de voir quelqu'un débuter sur ce genre de jeu. On fait tous les mêmes conneries au début. Bah c'est ça, hein. J'imagine que c'est le même pour tout le monde, quoi. Ah bah ça, oui, heureusement. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure approche, mais bon, si ça marche, tant mieux. Faut juste relever le nez au bon moment. Ah merde, j'ai pas les... Ah, le train d'atterrissage. Oh. Non, c'est pas ça. Oups, merde. Attention, train d'atterrissage non sorti. Oui, ça va, je viens de m'en rappeler, madame. Je sais plus c'est quelle touche, le train d'atterrissage. Non, c'est pas J. Ouais, mais je l'avais fait au clavier. C'est rien, je vais faire au clavier. Voilà. Bon, on refait un tour. Eh bah, c'est ça. Hein. Pas trop le choix. Oui, train d'atterrissage sorti, je sais, mais il faut savoir ce que tu veux. Hein. Elle est où la station? Elle est là-bas. Monsieur Nico 45 qui dit attention, si tu tapes la station, tu passes ennemi avec elle.
Ouais, mais ça va, j'ai pas touché. Entrée dans le hangar, service de Stasioport. Faut que je livre le colis, en fait. Bienvenue sur Dimerit Prospect. Ok. Alors, tableau de mission. J'imagine c'est ça. Terminer mission. Remettre la mission. Terminer mission. Hop, travail de transporteur. Choisir cette récompense. Hop, 29 000 plus réputation. Ça m'a l'air bien ça. Ouais, c'est ma première mission. Excellent travail, commandeur Fabs Van, pourvu que ça dure. Magnifique. Magnifique. Hop. Donc maintenant, faut trouver autre chose. Peut-être faire le plein. Faut faire le plein. Je me souviens qu'il faut faire le plein. Hop. 10 crédits. Hop. Voilà. Et donc, faut qu'on emmagasine de la thune. Extrayer 9 unités de la marchandise suivante. Ah, mais j'ai pas un vaisseau de minage, moi. Comment on fait ça? Faut choisir un métier. Faut choisir. On va déjà bien regarder. Alors, module. Oh putain, tout ça. Je me rappelle même plus comment ça fonctionne. Et encore, je me souviens qu'à l'époque, je galérais. C'était Isfred qui m'apprenait plus ou moins à jouer. Ah. Laser, impulsion, détecteur de liaison de données. Ok, vaisseau. Assistance de vol. Inventaire. Ok, module. Ok. État. Oh, ça s'est éteint. Hop, état, économie, sécurité, je pense pas que je dois aller là-dedans, liste de lecture. Ah, on peut mettre une playlist de musique, c'est cool ça. Ah, c'est sympa ça. Groupe d'armes, ouais. Holomi, nécessite Horizon. Formation, escadron, codex, Galnet News, ingénieur, puissance galactique. Okay. Il y a Nesri qui dit il faut vraiment y aller pour qu'une station t'attaque. Nombre de fois que je suis entré en collision avec mon vaisseau dans une station et j'ai jamais rien. Ça me semblait un petit peu bizarre aussi parce que je crois que j'ai déjà touché pas mal aussi. Apportez-nous 5 unités de la marchandise suivante. C'est pas du transport ça, si? Superpuissance. Nous passer de vous au travail, pourriez-vous charger certains de ces contrats pour nous? Ah non, il faut procurer 5 unités de marchandises suivantes sur un marché adapté. Coût estimé 13 785. 5 uranium. Il faut que je trouve ici, voir s'il y a de l'uranium. C'est ça. Acheter. Enfin, à mon avis, de l'uranium, ça va coûter blindé, non? Uranium. Bah, le but, c'est que ce soit rentable. Si jamais ça coûte trop cher, ça sert à rien. Ouais, le problème c'est qu'il n'y en a pas ici, donc il va falloir que j'en trouve autre part. On peut essayer autre chose comme mission. Il y a Jules Lab qui dit Fabs, Clément Côte te passe le bonjour, mais il n'arrive pas à parler sur le live. Ah, ok. Ah, bah oui, Clem, il est banni. Il est toujours banni sur le live. À l'époque. De l'époque. Attends. Tac. Travail de transporteur disponible. Là. Alors, apporter les données à la station Batuta Station dans le système Charour. Ok, c'est vrai, votre récompense a eu raison. Magnifique. Je pense que c'est le plus simple au départ, hein, c'est de faire du transport. Alors, entrer dans le hangar, non, décoller. Non bah, ah oui, bah oui, il va retourner le vaisseau. Ouais, ok. Hop. Comment ça, il va retourner le vaisseau? Ouais, regarde, tu vas voir. Ah, mais le retourner comme ça. Ouais. Alors, donc ici, cible, alliance, c'est quoi ça? Ça va, visiblement, Fabs, t'as de la marge. Il y a Nesri, et pourtant, j'y vais parfois comme un porc pour me docker, j'ai pas de problème. Franchement, t'as l'air d'avoir de la marge. Ok. Alors, c'est, du coup, c'est on bien doit que se rendre. Merde, je sais pas où je dois me rendre. Je sais plus. Elle est où la station? Train d'atterrissage, L. Là. C'est bien aussi ça. Hop. Du coup, je vois pas mon objectif. Est-ce que je peux le voir sans l'avoir sélectionné? Non, je pense pas. Carte de la galaxie, définir filtre. Cible. Y'a Guillaume non. Qui dit pilote pas comme Willy.
sinon tu vas vraiment devenir ennemi avec les stations. Très drôle, Guillaume, je te félicite. Alors, la sorte de l'humour déplacé. Putain, c'est dingue, les gens ont aucune considération. Merde. Ah, là-bas, je vois un truc. On verra quand je piloterai l'Aurore si jamais vous êtes aussi apte à l'équipe. Je vois un truc, Dimery Prospect. Mais non, c'est de là d'où je viens, ça. Et du coup, vous m'avez donné soif, je crois bien. Ok. Dimery Prospect, tac. Déverrouiller destination. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Est-ce que je vois l'autre maintenant? Bon, je galère un peu dans les menus, hein. Désolé les poteaux. Mais... c'est quoi devant? Mais c'est la station. Non, donc c'est pas ça. Donc, comment je fais pour trouver mes missions? Travail de transporteur disponible. Ah, là. Carte de la galaxie. Non, oui, non. Oh, oh putain, ça fait bizarre ça. Ok. Ok, on va éviter de se perdre. Je ne sais absolument pas ce que je fais là. Ah, destination. Ok. Ok, je pense pas que je dois être. Je pense pas que je dois utiliser la carte. Travail de transporteur disponible. Carte, vous avez un retour de la part de Jules Lab qui dit: je transmets le message de Clément, je suis connaisseur de Elite avec 980 avec 993 heures, on dira pas l'inverse. C'est pas faux. Ah oui, je me doute. Police de navigation, Volkswagen, non. Ah, je trouve pas. On sent Clément qui espère revenir, mais la question est: quelle erreur avait-il banni au départ? Oh, on s'était pris la tête pour un truc, je saurais même plus dire quoi. On a rejoué à Space NG il y a pas longtemps, hein. Il était avec nous sur le serveur avec Jules. Mais il faut juste que, à la limite, Guillaume, toi qui es modo, tu peux peut-être le déban. Je sais pas si tu peux y arriver. Moi aussi, je suis pas. Oui, bah oui, toi aussi, à la limite. bon, du coup, les potos, je trouve pas où. L'homme qui ne faisait pas confiance à Cortana pour déban quelqu'un. Invitation d'amis en attente. Ça patiente. Attends. Pas. Je vais regarder si je peux. Non. Bon, comment je fais pour retrouver ma mission? Là, c'est le truc de... Non, donc c'est certainement ici, quelque part. Non, je peux pas. Non, bah moi non plus, je peux pas. A priori, ça, on peut pas le faire, Julien. Fabs. Ah merde. Ouais. Je le ferai à ma prochaine pause. bon, ok. Je préfère GLaDOS pour ça, vous démouer, mais la voix de GLaDOS, effet spécial carte et tout. De la galaxie, carte du système. Est-ce que je suis dans le même système? Non, ça m'étonnerait très fort. Oh putain. Oh là. C'est pas un jeu qui s'improvise, hein, je te l'assure. Oh putain. Je crois qu'il va y avoir du matage, de tuto. Il y a un esprit qui dit dans transaction l'émission. Transaction, ouais, travail de transporteur disponible. Et puis là, en fait, je fais quoi? Je dois trouver. Je fais quoi? Carte de la galaxie. Donc là, il va mettre sur la carte et il faut que je me démerde pour trouver où c'est. Ah non, Charour, mission, résumé. Et Charour, distance. Ah là, Charour, je le vois là. Avant, arrière, la 7, engage, gauche, droite, zoom avant, zoom arrière, alterner axe, sélectionner destination, établir itinéraire. Ça m'a l'air bien ça, établir itinéraire. Voilà, sélectionner destination. Voilà. Donc du coup, est-ce que je la vois quelque part? Y a Tito qui dit: Fabs, en revendant quelques matos, je peux enfin te prendre ton petit cadeau. Ah! Ne te prive pas, hein, je dis tout, ne te prive pas. Hein. Donc Charour, là, un an. Est-ce que je peux utiliser le seau? Ouais, normalement. Ah non, le seau dépasse la limite de carburant de 0,60 tonnes. Oh, c'est con, ça. Ça fait beaucoup.
0,60 tonnes, ouais, ça fait quand même 600 kilos, quoi. Aussi, hein. Donc j'imagine que je vais devoir aller sur la carte et faire un... Ouais, il va falloir que tu fasses un arrêt à une station. Ouais, quelque part. Charour, il est où? Ça, envers la carte, ça fait chelou, hein, je vous avoue. Charour, je le vois plus. Je ne le vois plus. Ah, là, Charour. Il y a Nesri qui dit, et après, faut aller à la station qu'il t'indique. Et pour info, maintenant, t'as une aide visuelle, l'émission, c'est indiqué par le globe orange. Ok, d'accord. Effacer itinéraire, non, ajouter aux favoris, vue du système. Sélectionner destination. Si je la désélectionne, je peux pas? Non, ok. Où est-ce que je suis, moi? Où est-ce que je vois où je suis? Là, ça va, je suis là. Ah, ok, et je dois sauter ici, en fait. C'est ça? Ah, Renti. On dirait. Je vois comment ça a l'air plus, en fait. Je n'ai aucune idée. Ajouter aux favoris, non. Il y a Titou qui dit, qui te demande, c'est bien le Mustang Alpha que tu voulais, Fabs. Ouais, je pense que c'est celui-là, ouais. Mais va doucement, un Titou, parce que je fais pas 50 milliards de jeux en même temps, donc voilà, tu vois. Déjà, Elite Dangerous, je crois qu'il va me falloir du temps avant d'arriver à faire quelque chose de correct. Il y a Guillaume qui dit les questions existentielles de Fable. Où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? C'est ça, exactement. T'as tout compris. Ouais, moi je dirais que je dois sauter ici, je pense. Il y a Nesri qui dit je pense que là tu risques d'être embêté par la porte de saut de ton vaisseau, par la portée de saut de ton vaisseau. Tu devrais voir dans la station où tu es s'ils ne vendent pas de meilleurs modules FSD pour ton vaisseau. Ok. Il y a Titou qui dit oui. Ah, j'ai pas compris la fin, oui. Il y a Titou qui dit oui, Fabs, t'inquiète pas. Ok. Oui, Guillaume, ça va, ton message, je l'ai remanié un peu à ma sauce. Si jamais tu veux vraiment avoir le message, il disait les questions existentielles de Fabs, je suis qui, je fais quoi. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit, simplement, dit différemment. Ça. Donc du coup, oui, c'est pas vraiment ce que j'ai... Échec du turbo, énergie insuffisante dans le condensateur moteur. Ok, on va dire ça. Ah oui, on peut répartir... On peut répartir l'énergie, c'est ça, hein. Système, moteur, armement. Il faut que je mette plus en moteur pour aller plus vite. Et pour le coup, tu baisses l'armement? Ouais, ça baisse automatiquement. Là, si je fais avec la croix multidirectionnelle, si je fais droite, ça va sur armement. Si je fais haut, ça fait moteur. Et si je fais gauche, ça fait système. Et là, j'ai tout mis en moteur. Donc, du coup, ma vitesse max augmente, en fait. Et donc là, potentiellement, tu peux aller jusqu'au point de saut. Je sais pas. Il faut que... C'est vrai qu'éventuellement, je pourrais tester, tiens. Parce qu'en théorie, plus t'augmentes la puissance du moteur, plus tu... Ouais. Plus tu consommes, quoi. Parce que là, 11,8 années-lumière, il me semble que j'avais moins tout à l'heure. Que j'avais plus tout à l'heure. Ah, mais tout à l'heure, c'était le tuto. Non, le saut dépasse la limite de carburant. Non, ça, apparemment, c'est la limite de carburant qui pose problème. Dommage. C'est toujours une limite de carburant de 0,6 tonnes? Ouais, c'est ça, c'était toujours la même, ouais. Ah. Dommage. Bon, faut redemander une autorisation d'atterrir, du coup. Hop. Oh non, c'est pas là, c'est... Y'a Guillaume qui dit la vitesse augmente, mais est-ce que le temps d'utilisation est la même, directement? Ah, bah à mon avis, non. À mon avis, non. Allez, la plateforme d'atterrissage 1, ok. Y'a Nesri qui dit après le début de l'élite, c'est vraiment plus compliqué, mais une fois que t'as un vaisseau au-dessus du slide winder, c'est bien plus simple, faut juste passer la grosse galère au début avec ce foutu vaisseau. Ouais, bon, après, voilà, il y a beaucoup de choses à faire et à savoir, visiblement, donc... Y'a Titou qui dit, non, le premier vaisseau de base, il faut augmenter son moteur FSD. Donc ça revient à ce que disait Nesri, finalement. Ouais. Et Nesri disait, là, c'est même pas le carburant, c'est vraiment ton module FSD qui est pas assez puissant. Il doit y avoir une portée maximum de 10 années-lumière. Ah ouais.
Il y a Fox Radio qui dit « Je viens de découvrir le mode extrême dans les graphismes. Je passe les 18 gigas de RAM. Et quand je mets sur une map vide, ça semble un bon optique. » Eh ben putain, ouais, effectivement. Ah, je me suis planté en disant le nom du vaisseau. Ah d'accord, c'est possible. Mais c'est le Sidewinder. Oui, c'est ça, Sidewinder. Sidewinder. J'ai dû dire Slidewinder, pardon. C'est ma faute, non, ne me fouette pas, ne me fouette oh, pas. Oh, 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 oh. Oh, je crois que j'ai fait une connerie, là. Je vois plus où je suis, en fait. Oh, oh là là, mon fat. Mais en gros, il manque une commande, hein. Il manque une commande. Mais non, mais c'est surtout réduit la puissance de ton moteur pour éviter d'accélérer comme un bourrin. Ouais, à la limite, mais c'est même pas ça, c'est il manque le... Comment ? Monter, descendre, en fait, à la verticale, tout simplement. Ça n'existe pas, ça ? Bah, visiblement, non. Ah bah, c'est un peu con, cette histoire. Bon, en tout cas, je l'ai pas... c'est pas configuré, quoi. Ah ! Donc, Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, Nesri, lui manque. Descendre à la verticale. Et Guillaume qui demande si jamais il y a un moteur vecteur vertical. Bah j'imagine, ouais. Oh, ça c'est pas bon. Il y a Nesri qui dit pourtant si, mais c'est. Ça existe, mais peut-être pas configuré sur le OTAS. Waouh. Attends, c'est là je suis en train de m'énerver et de faire n'importe quoi. Je repars plus loin, je refais un tour. Les créneaux à Fab, c'est insane. Ouais, 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 mais non, mais en fait, il manque. J'ai vraiment l'impression qu'il manque une commande, en fait. Et il y a Auriga qui confirme, oui, on peut monter et descendre. Oui, donc normalement, je devrais avoir une. Et Nestri qui dit, tu vas galérer sans ça. Ouais, c'est ça, quoi. Essaye de configurer ça. Je vais aller voir après, je vais essayer de me poser quand même. Faut vraiment que j'arrive en longeant le début de la piste. Vraiment que je sois à ras du sol. Sarah. Mais bon. Très d'atterrissage, ça. Non, ils étaient sortis. Ah, d'accord. Donc, entrer dans le hangar. On va regarder un petit peu si on peut acheter du matos déjà avec la petite mission qu'on a faite tout à l'heure, on verra. Et Nesri qui dit, bah c'est déjà galère si tu as toutes les touches, alors si jamais... Ah oui, c'est sûr. Par contre, je vois pas du tout sur la manette comme où je pourrais les mettre, ces touches. Apparemment tout est déjà attribué, donc voilà. Et il y a Jules Lab qui dit que Clément Cotte dit Fabs règle tes touches. Attends, je vais aller le débloquer, Clément. Ah, bientôt je vais avoir Jules Lab dit que Clément Cotte dit que Willy dit que Fabs dit que Guillaume dit que Titou dit. Je cherche, hein, Clem, je cherche. Hein. Mm-hmm.
Ah, j'ai trouvé. Clément Côté, Clément Côté. Il y en a des gens bloqués sur cette chaîne. Clément. C'est qu'on se rend compte qu'on a eu la main lourde. C'est ça, c'est ça. Ou qu'il y a beaucoup de connards. Ah ouais, il y a peut-être ça aussi. Bon, la plupart le sont pour des conneries. Hein. Clem, c'était pour un conflit personnel. Oui, voilà. Après... Voilà, Clem, si jamais tu peux recharger ta page YouTube, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, service de Stasioport. Ou pas. Ah non, il faut que je resélectionne la fenêtre. Élite dangereuse. Hop, donc service de Stasioport. Ok, à plus notre petit marché. C'est une Esri, merci pour tous tes conseils, hein, poteau. Alors, oui, tu regarderas pour ta chaîne qui rigole. Oh, bah, moi, je sais très bien qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont bloqués sur ma chaîne. Faire le pain, ça c'est fait. Et la plupart alors... le sont pour une raison. En général, c'est des trolls. À mon avis, c'est ici que je dois regarder. Hop, donc module, réacteur FSD. Ah oui, c'est l'attribution de la puissance et ainsi de suite. Ça est de priorité. Groupe d'armes, vaisseau. Statistiques, préférence pilote, assistance de vol, fonction. Oh putain, excellent. Et d'autres trolls extérieur, vision. Mode, oui, mais ça va, ça fait des trolls gentils. Ça va encore. Rétracté, balise inacte. Redémarrer, réparer, mode tourelle, tir avant, mode furtif, non. Inventaire. Injection FSD. Non. Je suis même pas sûr que je dois aller chipoter là-dedans. Matériaux, raffinage, cargaison vaisseau, non. État. Réputation, journal de session, finance, non. C'est pas là-dedans, je pense pas. Module. Réacteur FSD. Actif. Réparation. Afficher info. Le réacteur à fréquence supradimensionnelle ou FSD permettant le déplacement en mode super navigation et les sauts en hyperespace entre systèmes solaires différents. Caractéristiques techniques du module en sont Balek. Réparation basique, standard. Matériaux insuffisants. Ah, il me faut des matériaux. Je suis pas sûr que c'est là que je l'améliore, à mon avis. Groupe d'armes, non. Il y a Foxario qui dit, tu as quoi comme troll, Willis? Seras-tu raciste? Alors, non. La réponse est clairement non. Je te parle du troll du style, ah lol, abonnez-vous à ma chaîne. Ah, c'est ce genre de troll. Le matériau peut... Sauf que les gens, tu vois, ils ne demandent pas avant de faire leur clip. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas blairer. Accroître la portée d'un saut unique. Portée de saut est encore plus étendue avec l'utilisation de matériaux de qualité supérieure. Il me faut quoi? Un carbone, un vanadium et un germanium. Putain, les Allemands, ils sont partout. N'importe quoi. À mon avis, ils ont voulu mettre géranium, ils ont rajouté un M, ça faisait germanium. Allez, on y va. Donc, il faut qu'on trouve un carbone. Oui, voilà. Bon, on va essayer de trouver un carbone déjà. C'est ça, c'est un troll qui dit là, abonnez-vous à ma chaîne. Il y revient avec 15 comptes. C'est ce genre de troll. Est-ce qu'il y a ça là-dedans? J'ai pas l'impression. Séparateur résonance, technologie. Non, pesticides, carburant, médicaments. Pesticides, quoi? Ouais, bah c'est pour faire du transport. Il y a une espèce de. Comment? De cours de la bourse, si tu veux, dans le jeu. Et je crois que c'était pour faire du jardinage. Ouais, tu peux peut-être, éventuellement, sur une planète. Il y a même des biodéchets si tu veux faire du compost. Ah, Clément Co, t'es là. Yo, Clem. Bah, Clem, tu tombes bien, justement, j'ai besoin de toi. Ah! Voilà. Comme quoi? Comment je fais pour augmenter ma portée de saut avec le réacteur FSD? J'aimerais bien en changer, enfin voir si je peux en acheter un nouveau. Il y a Tito trouvé... qui dit: bon, Fabs et Willy, je vous laisse, je vais sur Star Citizen faire mes petits tests. Merci pour ce Tito. Petit. Ok, Tito, pas de soucis. Merci à toi, poteau. Il y a Guillaume qui dit: non, le fermanium, c'est le bon de ce. Le germanium.
Entre le germanium, l'engrais et le compost. Ah, ok. Basique, standard. Bah, si j'avais déjà les trois trucs là, carbone, vanadium et germanium, mais à mon avis, ils en rentrent pas. Là. Ouais, mais ça se trouve, faut t'éliminer ces machins là, non? Peut-être que tu les achètes. Peut-être. Essaye de voir si tu peux les acheter, là. Peut-être moyen. Bah, là, en tout cas, à la station où je suis, ils en ont pas. Donc ça, peut-être c'est sûr que je ne vois pas d'autres onglets, parce qu'il faut regarder partout, hein. Putain, les onglets, il y en a partout, quoi. Comparer. Moyenne galactique, rechercher, marché, non. Non, 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 je ne sais pas. J'ai peut-être pris une mission qui était trop grosse pour moi, hein. Je devais peut-être pas prendre... Ah, il y a Guillaume qui dit, c'est pas Fermanium, c'est Germanium. Germanium, ouais. Autant pour lui. Fichier récompense au choix. Mission de transport. Éliminer pirate inconnu. Non, 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 ça va aller. Bon, massacrer allez, la cible. Massacrer la cible, ouais. Libérer deux correspondances cryptées. Éliminer pirate inconnu. Il y a Guillaume qui dit ouais, Clément Winkler a découvert le germanium le 6 février 1000. D'accord, d'accord. Si je fais un truc de... germanium, c'était un géranium allemand. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Là, il y a Clément qui dit, bah pour changer la portée de sol, de saut, ouais. se fait, oula, la portée de sol se fait soit via les ingés, soit le. Et Clément, j'ai pas compris. Maintenant, s'avancer. Ah, attends. Livrer. Préparation, non. Ravitaillement. Entrepôt de carburant. Ravitaillement. Ravitaillement en quoi? En rien du tout. Oh, merde. Ok. Ok, rapport commercial, non. Je me suis perdu, là. Marché. À mon avis, je peux pas augmenter ma portée. Hein. Je pense que pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se rendre dans une autre station. Extrayer 3 unités de la marchandise. Rapporter une autre unité. Travail de transporteur disponible. Destination ma tête. Ah, il y a Guillaume qui dit je crois savoir pourquoi on avait ban Clément. Ça doit être sa qualité de frappe. Peut-être. Non, non, c'est un autre souci. Retour en surface. En surface. Il y a Julep qui dit alors moi on m'accuse d'utiliser Wikipédia parce que je connais la célérité de la lune vide, mais j'utilise Google pour presque tout, on dit rien. Eh, on n'a pas. On n'a pas réagi sur la question. Après, Julep c'était pas tout à qui. Okay. Alors, cible. Viper, hein, quoi. Siège FSD à haute énergie. Non, merci, ça ira, très bien. Donc, on doit se rendre dans transaction. Je sais plus celle quelle. C'est celui-là. Ah non. Celui-là. Carte de la galaxie et donc sélectionner. Oh, ça va, je veux de la béguillon, commencez pas à vous battre, hein, s'il vous plaît. Non, hein, ça serait gentil. Parce qu'il y a Guillaume qui dit et quoi, tu veux une médaille pour dire que la vitesse de la lumière c'est presque 300 000 km par seconde. J'avoue. Commencez pas à vous battre. Hein. Ok. Gravitationnel, on a quitté. Là, apparemment, on va pouvoir sauter. Très haute sécurité, casier vierge. Ok. Comment ça, casier vierge? Toujours pas fait penser. Ouais, apparemment, je suis toujours un casier vierge. Ça va. Je
vite, hein. Ils ont pas vu ta série sur Space NG encore. Non. Ils savent pas que t'es un pirate. C'est ça. Ah, mais j'avoue que les effets... Ouais, ouais. Classe. Je vais me dire ce qu'il est. Balise de navigation. Tiens donc. Alors, donc là, on est arrivé pas trop loin, là, je pense. Donc, et on doit se rendre. Coelho Station. Donc, Coelho Station, elle est. Mais non, je l'habille, il faut pas dire ça. Elle est où ? Tout ce que tu sais est toujours bon à savoir. Faut pas dire ça vaut rien, non, c'est toujours bon à savoir. Non. Alors, où est-ce qu'elle est ? Signal. C'est comme moi, je sais qu'ADN ça veut dire acide des oxyribonucléiques. En soi, ça ne servira jamais, je m'en bats les couilles. Mais c'est une fois, on me l'a dit, et je sais pas, c'est resté. Déverrouiller destination, super navigation assistée. Bon. Faut juste que je trouve ma cible en fait. C'est pas celle-là, alignée avec cible. Ah là, là, là. ARN, je sais pas. Acide rubéo-nucléique peut-être. Je dis ça au pif, hein, j'en sais rien. Moi je sais que DTC ça veut dire dans ton cul. Non, ça veut dire dans ton corps, c'est une chaîne YouTube, Fabs. Ah oui, ah oui, oh, excuse-moi. C'est une chaîne pour les enfants. Si venu le temps des rires et des glands sur les deux enfants. Bravo. Bah, je vais arrêter parce que après ça devient très très grossier. C'est ça. Alors, super navigation assistée activée, magnifique ça. Magnifique. Allez, Guillaume, il y a Fab, pardon, Fab, c'est Guillaume qui te demande d'aller dans ta chambre pour tes conneries. D'accord. D'accord. Donc laisse tomber le casque VR, va boire une tasse de café, ça va bien se passer. Ouais, ouais, je pense. Je pense. Mais je pense que en VR, ce sera la dernière mission. J'essaierai de continuer à jouer à la manette sans le casque après, parce que je commence à avoir un petit peu. Je t'avoue que j'ai pas entendu ce que t'as dit, ça a coupé un moment sur le. Je commence à avoir un petit peu mal la tête, donc à mon avis, ça sera notre dernier trajet en VR. Ah. Parce que. Ah non, 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 pardon, non, autant pour moi, j'ai mal compris. Guillaume, il disait DTC dans ta chambre, ça. Ah, dans ta chambre, ah oui, bah oui. Pourquoi pas. C'est ça. Y'a Jules Lab qui dit actuellement 90% des choses que je sais ne me serviront jamais. Je peux même pas les sortir, je peux même pas les sortir comme de la culture générale. Ah ouais, bah ça, c'est le problème avec beaucoup de choses qu'on apprend. C'est ça. Ouais, on peut pas rentrer chez soi et essayer d'expliquer ça à notre famille, ils comprendraient pas. Il y a Guillaume qui dit, alors ça doit être pour se la péter, moi j'arrive à parler de nucléosynthèse stellaire avec mes potes. Faut juste avoir le bon pote. Wow, ça c'est magnifique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Vous êtes une étoile filante. On dirait une comète, tu veux pas essayer de la suivre ? Ouais, je sais pas. Ouais, bon. Hein ? Avec mon petit vaisseau de merde là. Ah, il y a encore une là-bas. Tu peux essayer de voler à côté, on sait jamais. Non, je crois que c'est des déplacements des autres joueurs. Enfin, de PNJ en fait. Il y a Clément Côte qui dit c'est équipement avec 6 points d'exclamation. Ça doit être important. C'est équipement. Ouais. Oh ouais, jolie cette station. Tout rond et tout. Ouais, ça a l'air plus joli, ouais. Ah, peut-être ce qu'il te faut là-dedans. Alors, on va demander pour affronter. Par contre, tu m'excuses, Fabs, Tu m'excuses, Fabs, mais je vais t'obliger de bannir Streamlabs. Ça fait 4 fois que tu publies le même message. C'est clairement du copier-coller. Ouais, je me doute. Est-ce que c'est une bonne idée de passer dans le rond? Bah écoute, essaye. On verra si jamais tu te heurtes à la skybox ou pas. Ça devrait passer, je pense. Bah quand même. Ce serait honteux qu'ils aient mis un mur invisible. Franchement, je serais dégoûté. Bah c'est ça, quoi. C'est pas l'aurore, putain, ça passe quoi. J'ai bien envie d'aller voir s'il y a des gens dans les.
Même voilà. Pour Star Citizen, ce genre de choses, ça passe, franchement. Ouais, c'est ça, quoi. Non, ça va passer crème. C'est passé crème. Là, par contre, je peux faire ma demande d'appontage. Demande d'appontage accordée. Merci bien. Et donc, nous, on va là-bas. Avec la coupe en hésitant, j'ai dit merci Pierre. J'ai entendu merci Pierre. Merci Pierre, quoi? Avec la coupure de Discord, j'ai entendu merci Pierre. Ça fait pas de sens. Ah oui. Non, pas vraiment. Moi, je dois aller à quelle station, en fait? Ah, je suis pas sûr que je pouvais rentrer en fait. Ah, plateforme 28, c'est écrit en plein milieu devant moi, quoi, Jean. Mais oui, même moi sur le live, je l'ai vu. Putain, comment il se pose lui? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah non, il s'en va. Bon, on va essayer de refaire la même technique. Ouais, du coup, j'ai pas regardé dans les commandes changer. C'est rien. Ça a bien marché tout à l'heure comme j'ai fait. Et tout doucement, faut frôler l'espèce de racloir là. Et ça passe crème. Faut frôler l'espèce de raclure. Vas-y, racle, Fabs, racle. Landing gear not deployed. Oh putain, j'ai pas sorti mes landing gear. Oh là. Réduis donc la puissance du moteur, t'arriveras moins vite sur le son. Tu railleras un peu moins ta femme. Voilà. Alors, service de station. Tableau de mission. Travail de transporteur, terminer la mission. Yes. Ça me fait 47 000 crédits. Eh ben, c'est bien ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, tu devrais pouvoir te l'acheter ton amélioration du coup. Bah je vais voir si ah, attends, j'ai vu. Il y a une autre section. Universal cartographique. Non, rien à voir. Marché, agriculture. Ah, oh, c'est des agriculteurs. Carburant à base d'hydrogène. Textile, allez pas prendre Willy comme copilote, mais arrêtez de me mettre ça sur la gueule, c'est pas faute en fait. Bon, il en peut rien le pauvre Willy. Bah voilà, arrêtez de me faire chier, je veux pleurer moi. Non quand même hein. Ah si, je vais chialer. Hop, livré. C'est Jacques Fabs, il me torture, alors c'est bon, j'en ai marre. Service de vaisseau, équipement. Mais tous vous tuer. Et après, je vous stockerai dans mon frigo et puis je vous dévore. Ouais. Tu relèves un peu mon casque, les poteaux, là. Oh, quoi. Tchouf. Bon. Ouais, il y a Jules Lab. Ah, voilà, j'ai trouvé. Fuck. Il y a Jules Lab qui est méchant, qui me dit bah écoute, va pleurer. Alors, interne primordiaux. Régénérateur, propulseur, réacteur FSD. Prêté. Ah, tiens, on me l'a prêté en fait, c'est même pas à moi, c'est le truc. Rétracté, nanana, nanana. Config du vaisseau. Équipement. Parcourir la boutique. Ah, réacteur effet. Attendez, parce qu'il faut que je vois. Consommation 0,16. Temps de chargement. Masse optimisée. Charge thermique. Carburant max par saut. Ok, et ici. Masse optimisée. Ah, je peux prendre plus en fait. Visiblement. Je peux porter plus dans mon vaisseau. Mais. Et là, pourquoi je peux pas ? Équipement déjà installé. Ok. Il y a un truc, hein, normalement, avec les lettres D, E, 2, E, 2, D. Je crois que le D est meilleur que le E. Ou un truc dans le genre.
Il y a Clément qui dit le laser c'est du thermique efficace et ta mitrailleuse c'est du cinétique bien pour l'armure. Ok. D'accord. Saut minimum actuel max. Ah là. Donc avec celui-là, avec celui que j'ai, c'est 8.15 à les lumières. Et là je peux faire jusqu'à 9.96. Ah Fabs. Magnifique. Nous sommes des Français, bon Dieu. Ta gueule, t'es sur un live de Belge. Donc, c'est 9.96. La violence de cet homme. Non, c'est parce que tout à l'heure, en fait, tu m'as fait changer et par après, je me suis dit, bah, finalement, non. Mais c'est l'autre chat qui me l'avait dit. L'intégration est dans l'autre sens. L'intégration est dans l'autre sens. Option d'achat. Clem, est-ce que c'est bien que j'achète celui-là par rapport à l'autre? Est-ce que c'est une amélioration ou est-ce que je me fais baiser la gueule? Non, je pense que c'est une amélioration. Plus de détails. Je m'en fous, je comprends rien. Option d'achat. Non, à mon avis, je pense que j'y gagne quand même avec ça. Échange. Vendre ancien module. Remise au hangar. Entreposer ancien module. Je vais entreposer l'ancien. Ou pas. Non, tant pis, on vend l'ancien. Allez, hop, voilà, on a changé. Hop. Oh, qu'il est beau, mon petit vaisseau. En vert, ça le fait. Donc là, normalement, je peux sauter plus loin. Est-ce qu'on va pouvoir sauter suffisamment loin pour aller... pour aller rejoindre l'autre trou de balle. Alors. Fabs. La carte de la galaxie. Et on doit aller sur Charour. Charour qui est là. Hop. Établir itinéraire. Ah, de là je peux aller. Ah, à mon avis, je vais pouvoir sauter là. Sélectionner destination. Je peux pas. Ah, je voudrais bien sauter là-bas. Là, et puis là-bas sur Charour. On voit pas la distance par rapport à ma position, non. Distance, effacer itinéraire. Ce qu'on va faire, on va faire autre chose. On va se mettre ici. Établir itinéraire et sélectionner destination. On va essayer. J'essaye de me démerder par moi-même. Hein. Si maintenant je fais de la merde, ben tant pis. Mais là, en étant à ma terre, en fait, j'ai l'impression que je suis plus près déjà de Charour. Collé. Plus près de Charour, je peux écouter ça. Est-ce qu'elle m'a roule? Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous le dire, et je pense que vous serez également ravis de le savoir. Le hangar de l'Aurore est terminé. Magnifique. Il était temps. Alors, les trains d'atterrissage, on peut les rentrer. Ok. Alors, est-ce qu'on voit notre cible ou pas? Enfin, ton ami tout en bas, écoute, ouais, je vous. Tim Gang, c'est là qu'on va. Alors, il y a Clément Côte qui dit, alors là, j'aimerais que tu me dises, j'ai mettre tout. Si les armes, les pieds, tu ne pourras pas sauter de système en système. Hein? Oh, on est bien d'accord, hein? Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est pour histoire d'être sûr. Chargement FSD en cours.
Et les armes anarchie. Des pirates, je vais, en fait, je vais dans un système où c'est l'anarchie. Ok. Alors, il y a Nesrin qui demande si jamais tu as trouvé le bouquin LSD, le FSD. Ouais, j'ai trouvé Nesrin. Ah, c'est bon, il a trouvé son dealer, tu vois bien. C'est ça, j'ai trouvé mon LSD. Alors non, il s'est repris, Clément. Il a dit... alors attends, qu'est-ce qu'il avait dit? Si les pieds sont déployés, tu ne pourras pas sauter de système en système. Ah oui, je sais, je sais. De toute façon, la voix dans le casque, elle te le dit, hein. Quand t'essayes de sauter, donc... Et ça va prendre combien de temps pour construire l'aurore? Ah bah ça, je ne sais pas. Malheureusement, pour le moment, l'aurore... Le hangar est fait, ce qui fait que dans 3 épisodes, on pourra commencer à le construire. Parce que là, bon, les deux sont déjà tournés. Et on continuera le bunker au passage, donc ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Ah, y'a Nesri qui dit yes, on t'a expliqué le fonctionnement des chiffres et des lettres des mots. Oh, je crois que je viens de cramer un peu mon vaisseau. On s'éloigne un peu de la planète, je crois que j'ai eu un peu chaud. C'est une planète ça, c'était sûr que c'est pas une géante gazeuse plutôt? Ouais, je sais pas, une. Ouais, sûrement. Effectivement, y'a plein de buée dans ton cockpit. C'est ça? Désolé les gars, j'ai allumé un moinge. Je vais ouvrir un carreau. Ah là, la poignée. Oh merde, elle est coincée. Bon, attends, mais on qui dit prépare la crème solaire, tu vas chauffer. Ah oui, putain, tu m'étonnes quoi. Attends, on va s'arrêter, on va regarder où est la station. Je sais même pas où je dois aller. Ah, mais oui, mais d'ici, non, je dois sauter. D'ici, je dois reprendre. Attendez, parce que là je fais de la merde, je cherche après une station qui n'existe pas. Carte de la galaxie, et on doit aller à Charour qui est... Où qu'il est Charour? Là. Là normalement je peux y aller en une fois. Yes. Le LSD de tout à l'heure, ouais c'est ça. Défini, ouais, c'est bon. Donc normalement, je dois le voir quelque part sur la minimap. Parce que le problème, c'est que je le vois pas. Ah, le voilà. Par contre, Fabs, t'as dû repasser en latence faible, non? Sur le live. Non, pas spécialement, mais comme il y a le casque et tout, à mon avis, ça bouffe peut-être de la ressource, et du coup, il y a peut-être une plus grande latence. Ah ouais, je remarque qu'il y a une latence relativement grande. Voilà, on va y arriver à notre charour. Par contre, mon vaisseau fume toujours. À mon avis, vu comme ça allume rouge, à mon avis, c'est pas bon. Non, la fumée a disparu quand t'es entré. Ah non, je croyais. Je croyais que la fumée avait disparu quand t'étais entré en hyperespace. Découverte d'une nouvelle source de signal. Température à 100%. Attention. Ah, en fait, je suis trop chaud, en fait. Va prendre un bain de glaçon. À mon avis, je vais avoir des réparations à faire, je pense. Du coup, on va sur Batuta Station. Il y a une source de signal non identifiée. En bas à droite. Ouais, il y en a plusieurs. Et va voir avec destination cible. Ouais, attends. Déjà avec mon vaisseau allumé, abîmé, ça m'étonnerait. On ira après. Aligné avec destination cible. Là, voilà. Ah. Il y a Foxario qui dit c'est juste des petites loupiottes, c'est de la déco, faut pas s'inquiéter, je pense. Ah ok. Ouais, parce que là, ça a l'air de s'être réparé un petit peu. Par contre, est-ce que je peux voir les dégâts que j'ai? Vaisseau, phare extérieur, assistance de vol, luminosité du tableau. Oh, luminosité du tableau de bord. Afficher horloge de bord, orbite, précision des capteurs. Y'a Julep qui dit regarde. Y'a Julep qui dit regarde de ces systèmes. Ouais. Pour voir ceux qui sont endommagés sans doute. Groupe d'armes, module. État.
Ouais, il y a plein de trucs qui sont super navigation assistée. Maintenant, je sais pas si ça s'est abîmé quand j'ai fait le contact là tantôt, mais... Bon, on est bien là, je peux boire une petite tasse de café. Tiens, je sais pas si t'as vu à droite, il y avait écrit site d'extraction de minerai. Hein, je sais pas. Bon, on regardera après si on peut aller extraire du minerai. J'aimerais bien essayer quand même. Bon, après, moi je te souviens. Voir si j'ai ce qu'il faut. Je parle pas des coronets. Non, oh, pitié. J'ai envie de faire ce bruit. Voilà. C'est quoi ce bruit d'un cochon à la gueule ? Il y a mon chien qui est en stress là. Est-ce qu'il y a mon pote ? Qu'est-ce que t'es ? Ah, t'es là. Il y a toujours deux essais quand tu veux caresser le chien quand t'es en verre. Le premier il finit dans son cul et le deuxième dans sa tête. Ah non ! Et après ça tu grattes dans ton nez en urgence. Ah là 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 là. C'est dégueulasse. C'est bien la VR, hein, sauf quand t'as un chien. Oh mon peupeur, qu'est-ce qu'il te dit ? Oh non, c'est pas grave. Un petit chien. Un petit chien qui pue. Tu pues, tu sais, mon gros. Je vais pas te donner deux bains par semaine, ça va pas le faire. Surtout que l'eau, ça commence à coûter cher à force. C'est ça quoi. Ou alors au tuyau d'arrosage éventuellement, mais alors là, l'eau elle est trop chauffée. Ouais. C'est un peu la merde. Ce serait con que ton chien attrape un rhume. Un rhume de cerveau, ça peut mal. Hein. Ouais, mais bon. Après, si jamais il éternue, tout dépend par où les gaz sortent. Nous voilà arrivés à Batuta Station. Oh, il y a Foxario qui a une bonne idée pour laver ton chien, le Karcher. Ouais. Oh. Non, c'est moyen quand même. C'est ça, je l'aime bien, mon chien. Oh là là. Cette planète, on dirait du papier. Ah ouais, j'avoue. Il y a Guillaume qui dit faut déjà en avoir un pour leur humer le cerveau. Bah c'est ça surtout, c'est surtout pour ça que je disais... Bah, t'as compris... Comment ? Non, rien. En fait, moi j'ai pas quoi compris. Non, rien, je me suis embrouillé tout seul dans ma tête. L'hémisphère gauche qui s'engueule avec l'hémisphère droit. Et puis il y a l'hémisphère centre qui essaie de faire le médian là-dedans. Ouais, c'est ça quoi. Alors, est-ce qu'on peut demander l'autorisation de se poser ? On dirait Europe, la planète idyllique. Demande d'appontage accordée. Merci bien. Hop. Et visiblement, c'est comme ça. Julap, tu cherches vraiment à te faire bannir ? C'est impressionnant quand même. Hein. Ah, il peut débiter pas mal de conneries, Jules. Hein. Il dit c'est pour ça que Willy est pas tant malade que ça au niveau du cerveau. Ouais. Bon. Moi je l'ai rien dit hein, perso. Non, t'as rien dit. Je vais te bannir. Je vais te bannir pour une durée de 10 000 ans plus 2 secondes, tu vas voir. Moi je vais à la plateforme 2. Ok. La 2 c'est la première, la plus grande. Ok. C'est bien. Alors, lettre d'atterrissage. Il y a Guillaume qui dit Fab, je t'ai entendu le penser très très fort. Ah, écoute, c'est pas possible, je ne pense pas. Ah, je n'ai pas de cerveau. Je n'ai pas la partie du cerveau pensée en fait. Oh, pitié. Mais refais donc tes touches, Fab, tu me fais peur à hein, qu'ils sonnent comme ça à chaque fois. Eh, hey, n'empêche que ça marche. Oui, ça marche, certes, sans, mais sans enfin, rien tu râles, toucher, tu râles, comme ça, quand même. Voilà quoi, tu vois, tu sais, ça fait... Alors, service de Stacioport. Oui. Dans Stacioport, il y a Stacio. Alors, tableau d'émission. Voilà. Ouais, ah, on a eu peur que je la ramène détail, pas. Je...
Ça, c'est qu'un détail, je demanderai à mon fils de prendre la relève. Ou à ma fille, ça dépend. Et 26 000 flouzes. Tu en as combien à la 80 000 là, un truc là, je suis à 67 000. Ouais, j'ai acheté, je viens de dépenser 6 000 pour le FSD. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, par contre, on va faire l'entretien du vaisseau, c'est-à-dire faire le plein, 51 crédits, réparer tout, 70 crédits. T'as un fils caché, Willy ? Non, non, j'ai un fils qui est pas caché. Hein. Rassurez-vous, il est pas caché. Pourquoi veux-tu qu'il soit caché, mon fils ? Ça fait pas de sens. Ravitaillement, entrepôt de carburant, réparation... Non, c'était où que j'avais trouvé les trucs pour acheter... Bah ici, évidemment que c'est un projet... Entrée dans le hangar... Entrée dans le hangar, je crois. Je ne sais plus. Tiens, Clem, il y a toujours pas de vue... Il y a pas de vue extérieure, Il y a toujours pas de vue extérieure des vaisseaux dans Elite ? Enfin si, il y en a une, hein, mais je sais pas si on peut piloter avec. Alors, service de Stasioport. Oui, c'est Guillaume, que... c'est normal, c'est un peu la vie privée, je vois pas pourquoi j'en parlerais. Maintenance avancée. Réparation, ravitaillement. Ah non, en fait, j'ai pas accès à tous les services généraux. Non. Il y a Nesri qui dit non, t'as pas de vue extérieure officielle. Ah ouais, ça, ouais, il me semble. Ça veut bien dire que tu dois en avoir une officieuse quelque part. Oui, bah, je me souviens avec Fred, on avait fait des screenshots, c'est ça que je savais qu'il y en avait une, mais il me semblait bien qu'en jouant, tu n'y as pas accès. Ils en veulent pas apparemment, les devs. Ouais. Ouais, c'est un peu bête, je trouve, mais. Visiblement, j'ai pas accès au truc du vaisseau, je peux pas faire rajouter de module ou quoi. Ici, il y a pas de mission disponible. Ok, donc en gros, je suis venu faire quoi moi ici ? Rien du tout ? Salle d'attente. Il y a Nesri qui dit contrôle alt espace. Contrôle alt espace. Ok. Là, on va éviter vu qu'on est dans le hangar. Tableau de mission. Ouais, il y a pas de mission, donc il va falloir qu'on se casse sans rien faire. Bon, j'ai fait le plein, c'est déjà une bonne chose. Tac. Je vais me fumer une petite clope, les potos, et comme ça me fait une petite pause en verre, et on reprend d'ici une dizaine de minutes, ça va. Ça va pour toi, ça, Willy ? Ah bon, moi, ça va, écoute. Tranquille. Allez, à toutes les potos. À tout de suite. Allez. Ça me fait une petite pause, parce que là, les yeux, waouh, quoi. Oui, au passage, mets les touches pour le moteur vertical, il me dit Guillaume. Ouais, on va regarder quand je reprends, je refais ça direct. Voilà, maintenant je peux pourrir le live de Fabs. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'il perde sa monétisation ? Soit non, y a rien qui me vient. Et avec son casque, il me donne la gerbe en plus. Salut Pélo ! Fabs vient de partir en pause, il va revenir, t'inquiète. Je commence le 22 à 6h. Alors on commence à se préparer. Hop. Tac tac tac. 6h. Ce qui veut dire qu'il faut que je me lève à... Allez, 4h45, ça devrait le faire. Ouais, c'est un temps complet, je fais 6 heures. Je fais 6 heures, 13h09 précisément. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon. C'est surtout qu'en plus c'est bizarre parce qu'il tourne en 3-8. Alors en 3-8 normalement c'est censé être. C'est censé être 5, censé être 13, ou alors c'est censé être 6-14, un truc du genre.
Oui, oui, 13h09, je déconne pas. Donc du coup, c'est pour ça, mais bon... C'est pour bien grave, hein, je veux dire. Je suis bien content d'être en télétravail. Malheureusement, Carrie empêche la possibilité d'être en télétravail. Il y a 13h09 et une seconde, tu lâches tout et tu te casses. Bah, en gros, c'est ça, ouais. Bah, bon, après, de ce que j'ai compris, ils sont susceptibles de me demander de faire des heures sup, tout ça. Donc. Mais c'est pour ça que, par contre, je vous le dis, hein, les vidéos qui seront jeudi et vendredi, elles seront là plus tard que la normale, je serai obligé de mettre ça à 14h. Bah en fait, si tu veux, c'est un truc un peu spécial. Non, il n'y a pas de point. En tout cas, ça, on m'en a pas parlé. Mais en fait, c'est un truc un peu spécial parce qu'en fait, je serai... Je serai préparateur de commandes et en fait, si tu veux, je suis sur... Mais en fait, si tu veux, c'est contrôlé en vocal. Donc, c'est-à-dire que le sérieux, bon, lui, je le commande, c'est manuel. Et pour le coup, si tu veux, en fait, quand je prends un truc, on me dit quantité 2, donc je dois répéter quantité 2. Et après, je dois dire OK. Tu coupes un peu, oui. Ah bon ? Ah, ça, c'est pas moi, ça doit être la connexion de Fabs. Parce que moi, je télécharge rien de mon côté. Il y a peut-être une mise à jour de Steam en cours, après, une mise à jour de Windows en cours, après, je sais pas. Mais pour ma part, de ce que je sais, Je ne télécharge rien. Ça va être drôle. Ah bah, on est... Je crois qu'il m'a dit, on est 140 dans l'entrepôt. On est 140 à parler, donc... ça va être drôle, en vérité, non. Après, bon, on verra comment ça se passe, hein, je veux dire. Après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en théorie. Je veux dire, ils étaient relativement pressés de m'avoir, visiblement, parce que pour le coup, ils m'ont dit eh, on vous rappellera dans l'après, mais j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Qu'ils avaient déjà appelé la boîte intérim pour leur dire de me prendre. Donc, finalement, ah, c'est sûr que la boulangerie c'est compliqué en télétravail. Ça, c'est clair que ça pose un problème. J'ai fait des invests aujourd'hui. Ah. Mais moi, je veux pas aller avec Willy. Ah bon, tu veux pas venir? Pourquoi je veux la... T'as peur de ce que je pourrais te dire ou de ce que je pourrais te faire? T'as raison d'avoir peur. Bon, alors du coup, je vais mettre le chat à côté, je vais faire quelques trucs. Non. Pour la distanciation, t'es sûr de ton coup là? Et ma voix a le don d'énerver les gens à la longue. Non, pas forcément.
Rien à battre de l'orthographe le lundi. Je peux comprendre. Donc, tac, tac, tac. Et après ça, ok. Et déjà que je m'en prends plein dans la gueule, hein, dans le chat. Bah non, je l'ai, qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends plein dans la gueule par qui? Personne t'a rien dit depuis tout à l'heure, que je sache. Je me disais, il y a vachement de bruit dehors. Bah, tu m'étonnes. Il est en train de pleuvoir des cordes. Je suis heureux de pas être dehors, du coup. Lol. Sept votes seulement et que des trolls qui veulent juste te déranger, oui. Non, très bien. Ah mais il peut y avoir tous les votes du monde, hein. Je te garantis que c'est hors de question que je mette l'intégralité de ma base en rose. Le sol, pourquoi pas. Toute ma base, tout c'est hors en de question. Rose. Tout en que rose. Dalle. Tout en rose. Que dalle, j'ai dit. Ah, le Stropole, il concernait tout, hein, apparemment. Oui, le premier Stropole concernait uniquement le sol du bunker. Ah, je sais pas, moi on m'en a envoyé un. Ah oui, je sais bien qu'on t'a pas envoyé les deux, j'ai bataillé pour qu'on t'envoie pas les deux. Ah ok. Ah parce que moi en fait, si tu veux, à la fin du tournage de mon deuxième épisode, Jules Lab il me dit hey, au fait, t'oublieras pas le Stropole. Je fais quoi? Pardon? De quoi tu me parles? Lui il a fait un Stropole, il m'a rien demandé. Alors, bon, bah du coup, on est obligé de décoller d'ici, on n'a rien à y faire. Vu qu'il n'y a pas de mission. Celui que t'as viré, oui, c'était pour le vaisseau. Non, je crois pas qu'on va pas. Hein. J'ai rien viré du tout. J'ai rien de façon. Ah oui, les touches. Oh. Ah bah oui, il sera peut-être temps, les touches. J'ai oublié. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, par contre. Un caleçon, ça sera déjà bien. Ouais, bof. En confinement, il y a 5 mois que j'en porte pas, tu rigoles. 5 semaines que j'en porte pas. Oh non, pitié, Fab. Je vais pas commencer maintenant. Alors, vol, rotation. Il y a 5 mois que t'en portes pas. Oh là là. Putain, ça doit être la forêt noire. Il vaut mieux 5 mois sans en porter que porter le même pendant 5 mois. Hein. Ouais, bon, d'accord, mais bon. Pousser vertical. R et F. Ah ouais, comment tu veux que je fasse ça? R, S. Ah tiens, apparemment, il me dit. Pousser vertical avec RS. Ah bon? On va essayer. Right speed. Ah, en effet. En effet. Donc, ah bah alors. Droit, haut, bas, ça fonctionne. Ok. Bah nickel, alors. Autant pour moi. Mais t'es nul, Fabs. Autant pour moi. Non, parce que j'arrive à me poser sans, tu vois. Donc finalement, c'est que je suis pas si nul que ça. Tu es nul, Fabs. Peut-être la chose que mon personne sait pas te faire un fuck. Mais bon, j'ai les trucs, tu vois, mais je sais pas te faire de fuck. C'est con ça, hein. La prochaine fois, t'auras qu'à mettre ta caméra. Je te verrai. C'est ça. Ouais, bah il faudrait que je réinvestisse parce que la mienne commence à devenir un peu vieille. Ah. Navigation, carte de la galaxie. Ah, au fait, t'as le bonjour de Pélo qui est venu pendant qu'il était en pause. Salut Pélo. Excuse-moi, poteau. Bon, on va aller pas très loin, on va aller là. On va la vache, les gars, il y a un orage, c'est moi. Si jamais. Pour l'instant, tu savais pas. Je sais plus, bien sûr. On va essayer d'aller voir là-bas. Sectionner destination. Parfait. Donc, ça a l'air d'être derrière. Ah, j'ai pas rentré mes trains d'atterrissage. Train d'atterrissage rentré. Ah, c'est là-bas. Tarn Cap. On va aller voir là-bas ce que ça donne. Hop.
Oh mince, on n'aura plus la voiture. Bah attendez, je sais pas encore. Mon PC est à pas. C'est pas encore éteint. Et la dernière fois qu'il y a eu un orage et puis qu'il y a eu une coupe. Oh, mon ami m'a cramé. Hein. Alors bon, j'espère que cette fois-ci ça se coupe. T'as eu un orage sur ton PC? Bah en fait, si tu veux, j'ai eu un orage et malgré la prise du paratonnerre, ma toute première allume en fait elle a cramé. Oh putain. Ah ouais, mais sauf qu'elle a cramé. Elle a cramé. Ouais, 3 heures après que j'ai eu le PC quoi. Ah merde. Parce que je suis allé récupérer le PC et après je suis allé au. Ah ouais. Et quand je suis revenu, j'ai vu que bah le bouton il était allumé sauf qu'à l'intérieur il y avait rien. Du coup j'ai ramené le PC et mon informaticien il a été sympa parce qu'il m'a mis une alim puissante, mais pas pour plus cher parce qu'en fait j'ai absolument rien payé. Ah ouais. Donc. Bon, par contre, pour salut trouver Spy. Une station ici, salut Spy. Bon, à mon avis, une station ici, on va pouvoir se la mettre où je pense. Bah, attends, ton PC, si tu vois que l'orage est pas trop loin, non. Carte de la galaxie, on va voir si. Non, on j'ai peut pas d'onduleur, aller... Guillaume. Je devrais en avoir un, sauf que j'ai pas la place pour le. Eh, c'est un bureau. Ici, il y avait une station, je crois. Pas de chance, mais derrière. Oh, bah, pas de chance, ça m'a juste coûté du temps, c'est tout. Vue du système. Ah. Alors, ça c'est quoi? Ici, il y a une station, on dirait. Ça c'est quoi? Dis merci, prospect. Cercle des pilotes. Rouge, c'est en rouge. Bon, on va éviter. En général, quand c'est rouge, c'est pas bon. Hein. On peut aller voir là, tiens. Vue du système non disponible. Aucune donnée. Ah bah oui, si j'y suis pas allé, ok. Il fallait que je saute jusque là, en fait. Bon, on va sauter jusque là, on va aller voir. Je suis assez curieux donc. Tac. Les onduleurs, il y en a des petits à peine plus gros que multiprise. Ouais, je sais, mais je t'avoue qu'en ce moment, tellement. C'est... Salut Elle. Salut Elle, comment tu vas, poteau? Bon, je trouve pas le. À mon avis, j'ai pas dû bien le mettre. Alors, carte de la galaxie. Once again. Établir itinéraire. Bon, on va dire ça. Regarde sur le site d'impact de foule. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Il y a un site d'impact là. De Wolf foule. Wolfes again. Ouais, je pense. J'ai entendu parler d'un truc comme ça. Je vais regarder. Chargement FSD en cours. Bon, attention, carburant, par contre, ça va balayer. Je vais te donner ton adresse que je t'en offre un. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que tu m'envoies un cadeau comme ça me met un peu mal à l'aise. Prêt pour activer. 4, 3, 2, 1, BE6, Adam. Oui. Ah putain, je sais pas, tu parlais plus. Ah bah, si, non, je suis dans la beauté du truc. Dégâts encaissés, quoi. What the fuck. Dégâts thermiques, ah ouais. Okay. Ici il n'y a pas de station, il n'y a pas. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, ok. Ouh la vache! Ok. Là, effectivement, à Montbrison, il y a des dégâts de foot pas loin. Ah donc, fais gaffe. Le dernier dégât de foot, il a eu lieu à combien de kilomètres de chez moi? Attends. Une erreur de saut. Le dernier dégât de foudre. Et il a pas eu lieu relativement loin, peut-être à. Allez quoi, peut-être 15 km, 20 km. Ah mais c'est celui où je suis déjà allé ça. Dromi, non, c'est pas là qu'on est, c'est à Wolfsgen. Hop. Vue du système et il y a que dalle. Ah, quoi que ça, c'est quoi ça? Il y a Clément Côte qui dit bon, j'ai FK, ping moi si t'as. Ok, Clem, merci poteau. Faction dirigeante, indépendant, détention, fond d'échelle. Sectionner destination, allez. Donc je vois pas où elle est. Aucune Willy, Willy, on le contacte que sur le 3615 pardon. Lol. Merci, elle. J'apprécie toujours tes visites.
que ce soit sur le live de Fab ou sur le mien. C'est 36-15 code quoi, il a dit? Code rose. Ah, centre de détention. Oh. Bon, bah, mais non, c'est pas un centre de détention, c'est mon bunker. On va aller voir ce que c'est. Fais gaffe, Fab, c'est un piège. C'est un piège? Bah oui, bien sûr que c'est un piège. T'es un pirate. Hein. Ils vont t'arrêter, forcément. Non, ici, je suis pas encore pirate. Mais si je trouve moyen de l'être, ça pourrait être intéressant. Faudrait que je vois un petit peu les avantages. Mais je crois que je vais me bouffer du tuto... En voili, en voilà, quoi. Ah, ça. Mais les tutos que je regarderai, je les partagerai sur le Discord. Comme ça, ça peut... Bah écoute, ça peut aider. Plaisir. J'aime pas les trucs où il y a du trop de blabla, tu vois. J'aime bien les trucs qui vont à l'essentiel, donc je suis assez sélectif. Ouais, bah ouais, je suis assez sélectif, tu vois. On peut décélérer, ok. J'ai pas très bien compris là, l'histoire de décélérer. Je décélère à fond, mais ça décélère pas. À mon avis, il faut décélérer plus tôt, c'est pas grave. Hop. On n'est pas très loin. Ah si, en fait. Ok. J'ose pas relâcher le FSD trop tôt parce que après il me reste 2 heures à faire de route quoi. C'est traître ouais. Hein, l'espace. Bah oui mais ça, en général. Tu crois que t'es tout prêt et en fait non t'es encore à 8000 km du truc quoi tu vois. C'est ça. Il y a Nesri qui dit tu peux tout faire à tout moment mais pirate vaut mieux avoir un vaisseau bien fit. Il faut te mettre ah dans oui, la donc zone, ce sera pas pour tout bleue. De suite. Non. Et il te dit aussi, il faut se mettre dans la zone bleue dès que ça te dit 7 secondes d'arrivée, autrement tu risques d'overshoot. Ah ok, d'accord. Ouais, je me suis mis plus tard en fait. On va avancer doucement. J'aime bien de rester dans la zone bleue en général. En plus, ça a l'air de se faire automatiquement. Quand t'es dedans, on dirait que ta jauge de vitesse s'adapte automatiquement. Donc Voilà, moi je dis oui. J'ai un truc chelou qui s'est mis là, je sais pas ce que c'est. I don't know. Ils vont croire que t'y vas mais que c'est pour libérer des prisonniers. Ouais c'est ça. Ouh ça a l'air très sombre. Mais si on approche, vous avez un message, non mais... Ok, préparez les canons. Vous entrez dans une zone. Oh quoi? Ah bah oui bah ça c'était. Dans une zone neutre, ok. D'accord. Est-ce que je peux demander à atterrir là-dessus? Je vais voir à quoi ressemble. Tu veux aller voir les prisonniers? Bah écoute, je vais voir à quoi ça ressemble. Je t'en devoir si jamais ça te plairait de te retrouver là ou pas. Accordé, magnifique. Piste 4. Je vois bien le pirate, le Fabs qui va dans la prison. Et puis, ta-la-la, je suis de l'autre côté. Ta-la-la-la-la-la-la. Je vois pas bien le 04 par contre, c'est lequel? Pas celui-là, c'est l'autre. T'as 2 orages en France, alors peut-être que vous avez le même. Ah, c'est possible. Hein. C'est possible, mais le mien là, il semble se calmer. Il y a plus d'eau qui dobe que de. Y a ah plus non, c'est même pas le 04. Que le bruit derrière le 04. Et le bruit d'orage. Mais bon, c'est bien qu'il pleuve. Il avait pas plu depuis un mois. Ok, le. Et comme là on a les commandes verticales. Allez tout seul. Oh, il y avait un beau vaisseau sur la piste d'atterrissage du dessus. Un vaisseau qui était rouge et gris, très joli. Sauf que je l'ai pas vu en détail. Dommage. Hein? Train d'atterrissage, vas-y. Ouais, non. Tu disais quoi où? Il y avait un vaisseau rouge et gris. Qui était vachement beau sur de l'autre côté de la station. Posé sur un des sites d'atterrissage. Il tourne. Il était très joli, je trouve.
Ah oui, en effet. On va éviter de se poser sur sa gueule. Ouais, tant qu'à faire. Mais l'arrière, j'ai trouvé sympa. L'avant, je l'ai pas vu, mais... Ah si, il est classe, quand même. Qu'est-ce qu'il est ? Merde, je l'ai perdu. Ah, là-bas. Ah, merde, il rentre. Ah, trop tard. Ah, dommage. Bon. J'ai eu le temps de le voir un petit peu. Moi j'en ai pas eu plus de confinement. Bah moi c'est pareil, hein, Foxario, j'ai... Nous, moi, de, pour ma part, c'est pareil, hein, chez moi j'ai pas eu de pluie depuis le début du confinement. 04 là-bas. Alors, lettre d'atterrissage. Bah oui, enfin... Oui, ça marche bien aussi, oui. Ouais, je... Latéral, je fais comment? Ah ouais. Bah, t'as bien les boutons latéral, je crois. Ouais, non, attends, mais c'est là. Je suis trompé de touche. Ah. Aujourd'hui, il y a du soleil au nord. Oui, mais ça, c'est une fois par an. En général, c'est la pluie au nord et puis la pluie soleil au sud. J'ai vu tes âmes sortir, fais pas le coup, t'es dans un pays. Non, je les ai rentrés, Ouais, hier il pleuvait, aujourd'hui. Heureusement que j'ai eu mon entretien ce matin, parce que j'aurais eu un stade, j'aurais été trompé. Un petit peu trop à droite. Salut Red Quarry. Ok, donc service de Stasioport. Est-ce que vous avez des missions pour moi là? Parce que je veux du boulot, les gars. Contact. Non, ok, super. Je suis venu pour rien. Là, tu t'es posé quand, un bourrin? Ouais, exactement. Mon Dieu. Exactement. Est-ce que j'ai besoin de carburant? Non, ça va. Chez moi, pas de pluie super sévère, oh, ça viendra, t'inquiète. Moi, j'en ai eu un peu hier. Mais sinon, c'est tout. Depuis le début du confinement, c'est tout. Donc, carte de la galaxie. Fab, c'est tellement intéressant que vous sentez obligé de parler de météo, pas cool pour lui. C'est sûr, c'est cool. Non. Ezekiel, il dit Fab est tellement intéressant que vous êtes obligé de parler météo, c'est pas cool pour lui. Non, c'est pas grave, t'inquiète, ça m'intéresse aussi. Hein. Ça m'intéresse aussi. Sectionner destination. On va aller voir ce qu'il y a. Mais c'est bizarre parce que là, j'arrive pas à voir. Mitsu, non. Réaliste. Non, j'arrive pas à voir. À voir ce qu'il y a dans le système. Et là. Ça me fait marrer parce que, pour la petite info à mon rendez-vous de ce matin, il y a mon chef, donc Kou, qui m'a pris l'entretien. Ah. Et il m'a dit. Il y a mon chef qui m'a pris l'entretien. Et puis il m'a dit. Alors par contre, étant donné que bah, tous les jours, parlez un petit peu à votre micro, tout ça, il faut souvent parler beaucoup dans la journée, tout ça. J'étais prêt à lui dire, oh ça va, je fais des lives de alors ça me pose pas de problème. Ouais, c'est ça quoi. Je l'ai pas dit, mais franchement, j'étais à deux doigts. Ouais. Alors, est-ce que je vais trouver cet endroit? Ouais. Otegin. Bon, on va voir ce que c'est. Hein. Hop, allez. Opération impossible. Oh merde. Ça va, il est grand gueule. Absolument. On trouve une station où il y a du boulot là. Hein. Par contre, ça me fait chier parce qu'au patron, j'étais obligé de lui mentir. Ça m'emmerde. J'aime pas mentir au patron en général. Sauf que là, il m'a demandé si j'avais mal au dos. Ah ouais. Ah, ouais, c'est un peu délicat, quoi. Si jamais je lui dis que j'ai mal au dos, je suis certain de pleurer de quoi.
Bah, si jamais un jour t'as quelque chose, rappelle-toi-en et n'oublie pas de dire que c'est la première fois. Ah bah ça c'est sûr. Mais là de toute façon, là, rien que le fait d'avoir été chez eux, d'avoir d'être resté debout pour même peut-être du meilleur, putain ça m'a flingué lui. Allez. Ah ça me casse les couilles ça, j'en ai marre. Bon du coup. Oh la belle rose. Ouais c'est ça quoi. Fait que ici est-ce que j'ai quelque chose. Je me rappelle le rose du sol de mon cœur, lol. La balise de navigation. Qu'est-ce que je fous là en fait? Y'a rien ici. Ah si, y'a un truc là-bas. C'est quoi? Div 06 transporteur. C'est ça la vieillesse. Bah ouais, faut croire. Hein. 30 ans, c'est déjà vieux. C'est ça. C'est que le début. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, c'est ça que je voulais. Est-ce qu'ils ont réouvert la prise de ronde? Ah, là, il y a quelque chose. Hop. Bon, du coup. Où ton sol de bunker est plus clair, un peu. Là. Voilà. Chargement FSD en cours. Ok. Au carburant, par contre, je commence à arriver au bout là. Il serait temps que j'aille faire le plein. Prêt pour activer. Non, 4, toujours pas 3, 2, 1, en fait mon sol du bunker en fait il est plus rouge bubble. Bah c'est ça hein, franchement. Bah moi je le dis tout le temps, moi le rose j'aime bien, tu vois, y a moyen d'en jouer en fait. Après j'aime pas tous les roses. En général le rose flash avec du noir y a moyen de faire des trucs sympas. Ouais mais enfin sur le sol d'un bunker quoi, merde. Bah, écoute, non, le bunker voilà, c'est quoi. Censé être gris slash noir quoi. Slash noir. Bah c'est vrai écoute. Ouais ouais. Mon intérieur je l'aurais mis en gris en fibre carbone. Et j'aurais mis en clean armor noir au-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Fusion base. On peut aller voir. Super navigation assistée. Hop. Ouais, il y a Julab qui dit, et là plus de carburant, obligé de tout faire à vitesse normale, fake. Ouais, c'est ça, ça commence à être vraiment bas le carburant. Par contre, il faudrait que je trouve mon point, je sais pas où il est. Petite question, sur Asso, on trouve du platine sur la Terre ou pas? Je m'en souviens plus. Non, pas de Asso, pas de platine sur la Terre. Non. Pas d'uranium non plus, d'ailleurs. Non plus. Ah là-bas. Allez, on va voir là-bas. Là-bas, visiblement, c'est une base. Donc, on pourra se poser et on a encore, je pense, assez de carburant pour y aller. Mais de rien, faut que ça aille au. Pas de soucis. Il y en avait sur Terre avant. On met un clavier QWERTY dans le vaisseau. Ah, ben lol. Des... calme-toi Fabs, calme-toi. Alors avant il y avait peut-être de l'uranium sur Terre mais plus maintenant. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Ou alors une fois que t'actives les astéroïdes, t'auras peut-être un peu. Encore de l'uranium, je suis pas sûr. Si d'uranium si y'en a. Dans les astéroïdes. Tu sais, y'en a. J'ai trouvé du deutérium ça m'a fait. Ouais. Ce qui irait bien avec ton sol, c'est une boule à facettes au plafond avec une blanche disco. J'avoue, pourquoi pas. Pour être marrant. Alors, Fusion Base. On espère qu'il y a du boulot là-bas. On va demander l'autorisation de la pompée, sinon on va commencer à engueuler. Merci. On va activer les trains d'atterrissage, parce que sinon on va encore se faire en... Ouais, mais ça on va attendre d'être dedans.
Vous y croyez ça, chelou? Temporairement. Bah, en fait, si tu veux, je t'explique. J'ai tellement de pierres que là, j'ai 3 conteneurs sur 4 qui sont blindés de fer, de nickel, de silicone et de gravier. Ouais. Ouais. Ça commence à faire un peu limite quand même. Du coup, je suis obligé de mettre en mode créer, tout supprimer, j'ai pas le choix. Ça me fait chier, mais bon. Ok. Ouais, voilà, plateforme 34 qui est 35. Bon, à mon avis, elle doit être pas loin ici. Elle doit être déjà trop loin en fait. Elle est où la 34? 13, 10, 34, elle va au bout. Ok. La 35 elle est à l'entrée, la 34 elle est au bout. Okay. Non, mais... Après, tu vas te plaindre si tu vas te plaindre sur le perso. Jamais je monte perso. J'ai diminué ma vitesse. Hein. Bah, il y a le monsieur, il a dit de réduire ma vitesse immédiatement. Non, je la t'inquiète, hein, si jamais je viens à monter quoi que ce soit, je te rappelle que j'ai toute la montagne que je peux miner derrière. Juste que de là, je peux en tirer. Et avec 70 drills, t'inquiète pas que je peux mettre longtemps si jamais je manque de ressources. Donc, service, faire le plein, tout de suite. Vite! Vite, faire le plein. Ah non, je suis qu'à 46. En fait, la jauge de plein, c'est pas celle que je pensais. Visiblement. Ah non, la jauge de plein, en fait, c'est les carrés. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est quoi? Du coup, je ne sais pas. Donc, ça va, j'étais encore bien, question carburant. Ça a plutôt l'air d'être ça en fait. Équipement. Ah, ici par contre, on peut changer l'équipement. Donc, bon, on va descendre dans le hangar. Il n'y a pas le choix. On est en 3306, Willy, pour info. Ah, bon, d'accord, très bien. Comme ça, ça évitera les conneries coronavirus et compagnie. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça a été éradiqué il y a 1300 ans. Point d'emport, arme du vaisseau, support utilitaire, équipement externe du vaisseau. Non. Je vais voir s'il faut pas des trucs pour le... interne optionnel, pour le minage. Compartiment soute, navigation assistée, appontage, approche planétaire, non. Apparence du vaisseau, équipement externe du vaisseau. Ok, il n'y a rien. Parcourir la boutique. Ok, il n'y a que dalle. Et là, parcourir la boutique, il n'y a que dalle aussi. Ok. Donc, arme du vaisseau, laser à impulsion. Ça, c'est ce que j'ai déjà, ça. Ouais. Ok. Je sais pas si vous vous rendez bien compte que j'ai 109 000 tonnes de pierre. Commence à faire un peu beaucoup là. Tableau de mission. Bon, on va voir si on peut faire un peu de minage. Hein. Avec un peu de chance, il nous dira qu'il faut acheter un truc. Extrayer 3 unités de la marchandise suivante. Bauxite. Bon allez, ça paye pas beaucoup, mais au moins ça nous initiera au minage. Accepté. Ok. Retour en surface. Putain, j'aime gratter la tête, j'ai oublié que j'avais le casque. Décollage. This is an important announcement. Security surveillance is in effect at the
message. Et donc, est-ce qu'on a un objectif pour aller miner ça ou pas? Transaction. Extrayer. Nous avons besoin de vous pour les... Extraction de minerais nécessite un laser minier et une raffinerie. Oh merde. Oh merde. Je suis pas sûr que j'ai ça. Module. Ah merde, j'ai pas. J'ai pas de laser minier. Ah, c'est très con ça. Ah, effectivement. Maintenant que. Ok. Et là, visiblement, ils en vendaient pas parce qu'il y avait pas de module. Donc, on va voir si on peut aller voir autre part. Navigation, carte de la galaxie. C'est quoi ici? Je connais pas. Ici, on connaît pas. Bah de là, on peut revenir ici, peut-être. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Voilà, ça va. Donc, on peut aller jusque là. C'est pas là que je veux aller, c'est où? Est-ce que j'ai mis itinéraire? Non, établir itinéraire, voilà. Il faut trouver le bon point là-bas. Chargement FSD en cours. Voilà. Si j'ai bien compris, ce qu'il y a en bleu dans la barre de carburant, c'est ce que ça va me coûter pour faire ce saut là en fait. Si j'ai bien compris. 4, 3, ouais, c'est ça. Il y a Nesri qui dit pour le minage ils font un laser mi. Ouais c'est ça, mais ils en vendaient pas. Je suis désolé, je suis sur Space NJ, j'ai pas. Non, t'inquiète. T'es pas mon petit boy, un poteau, t'inquiète. Si je rate des messages, je sais pas. Donc, et ici il faut trouver la station. Mosenbeek. Voilà. Qui est par là si j'ai bien vu. Oh merde, je me suis trompé. Hop. Cible occultée. Déplacez-vous pour avoir la cible en ligne de mire. Ah merde. Il y a Sopol qui dit il faut pas faire comme moi, tu mets le minage auto et tu pars. Tu mets le minage auto? Ouais, tu mets le minage auto et tu pars. Je sais pas s'il parle de Space NG ou d'autre chose. Ah, je sais pas. Je suis encore passé outre. Aligné avec destination cible, mais je t'aime bien, je suis à côté en fait. Alors, Mosenbeek. Je crois que c'est là qu'on a débuté en fait. C'est la NSRI dit, mais avec ton vaisseau, tu vas vite galérer pour le minage, tu ne peux pas rester sur des missions de transport commercial ou de données pour le début. Ah, ok. Ah, Sopol, il parlait de
de spécialité. Ok. Pour le minage au sol. Non, t'as pas besoin de t'excuser, Sopo, non, t'inquiète. Pas de bannir parce que tu dis pas t'excuser. Tu mérites, hein. Tu mérites, tu mérites. C'est ça. Eh, nickel. Du coup, j'ai supprimé les 180 000 tonnes de pierre. Ça m'aurait blindé un autre conteneur, cette connerie. Ouf. Oh non, bah ça, c'est sûr. Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, 1. Il y a Nasri qui dit, après, tu peux essayer, mais tu risques d'avoir une expérience sans un vaisseau un minimum adapté. Ouais, ok. Ok, nous y voilà. Si je vois bien l'entrée par là. Par contre, les musiques sont juste épiques dans le jeu. Franchement. Ah. Il y a, Spartian qui dit j'ai Elite Dangerous PS4, mais perso j'ai rien à caler à ce jeu. Pire même sur Oula. J'ai pas compris celle-là. Ouais. Je pense pas que la vie soit très. soit très important, je pense. Ils m'ont donné l'autorisation de l'atterrir, je sais plus. Oui, ok. Plateforme 16. Maintain current vector, Commander. Oh. Oh merde. Qu'est-ce que t'as fait? Là, tu bafouilles, Willy. Ouais, peut-être un peu. Mais t'es rentré à l'envers en fait. Oh ouais. Le con, il s'est pris le truc. Je me suis mangé l'antenne. Mais je, pensais que... je pensais pas qu'il y avait une hitbox en fait. Mais surtout que là, t'es en train de rentrer à l'envers dans le truc. Mais tu vois, à l'endroit quoi. Ouais, faut rentrer du côté toujours, vert. Toujours à l'envers. Ouais, mais normalement, ouais, le côté vert en général il est à droite. Mais. Plateforme 16, elle est où cette conne? 44, 40. Ah, je sais pas. Merde, j'ai pas trouvé la plateforme. 40, 44. Elle est peut-être à l'extérieur, la plateforme 16. Non, à mon avis, elle devait être devant. À l'entrée. Ah ouais, elle est à l'entrée, là. On va ralentir un petit peu. Histoire de pouvoir mettre le nom de Bungie, voilà. Un atterrissage, Fab. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Oh, excuse-moi, j'ai du retard sur le live. Oui, je me doute. Voilà. Ah, pour le coup, maintenant, ça doit être bien plus simple d'atterrir vu que t'as. Ouais, c'est ça quoi. Tu peux faire les verticaux. Je m'aligne au niveau du rond et puis après je descends à la verticale. Tiens, remets donc ton compteur de cube à jour. Ça se trouve, il a encore bugué, t'es toujours à 400 depuis tout à l'heure. Pourquoi il n'y avait pas. Un atterrissage pour sortir. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, je suis peut-être pas dans le bon sens. Il y a Clément Côte qui dit il y a un sens. Ouais, c'est ça. Ouais, comme j'ai fait demi-tour, du coup j'arrivais dans le mauvais sens de la plateforme. Vu qu'il avait dit tout à l'heure le cul vers la sortie. Y'a Spartian qui dit t'es pas dans le rond. Si, j'étais dans le rond, j'étais juste pas dans le bon sens. Ah, parce que.
Alors, on va déjà faire le plein, c'est sûr. Tableau de mission. Il y avait maman. Donc le minage, on peut oublier pour l'instant, c'est ça qu'il disait. Donc. Bah il disait, ouais, si jamais t'as pas un vaisseau adapté, tu vas avoir une mauvaise expérience. Donc soit je peux acheter des médicaments ou des agri-médicaments pour faire, pour livrer. Donc on va voir s'ils en ont ici. Agri-médicaments, ouais. 908 crédits et médicaments simples et complexes. Ok. Donc visiblement, ils en ont. Agri-médicaments. Tableau de mission. Le qui, c'est tout. Agri-médicaments. Oh mon dieu. Donc, agri-médicaments unique. C'est en restant 6 jours. Planifiez votre voyage en utilisant la carte pour vous assurer que votre itinéraire est viable. Si votre vaisseau est trop chargé, il risque d'avoir du mal à atteindre sa destination. Et le poids, c'est... On n'en sait rien, en fait. Bon, on va essayer, on verra bien. Hop. Accepter. Et donc, il faut acheter ça. Donc, marché. Agri, médicaments. Voilà. Il m'en faut deux. Voilà, deux. Capacité cargaison, je peux en prendre quatre. Avec deux, ça ira très bien. Voilà, donc ça c'est bon. On va quand même juste vérifier que c'était bien deux. Il y a des médicaments qui font 10 mètres sur 10 pour que tu puisses en prendre que 4 ou comment ça se passe? Bah j'imagine, ouais. Ou, à mon avis, c'est les palettes ou un truc ainsi. T'imagines, le mec qui veut se soigner, il doit d'abord prendre sa pioche et puis, c'est puis ça, taper quoi. Dedans pour ensuite prendre le médoc. Hop. Bon, on redécolle. J'espère que non, il t'avait dit de vérifier ta destination pour voir si c'était bon d'abord. Ah. Trop tard. Non, pas trop tard. Bah disons que c'est plus... Ouais, c'est rien, je vais sortir. Des gros suppos. Oh putain. Putain, c'est méga suppos. C'est pas un trou de balle qu'il faut. Oh putain. Qu'est-ce que t'as fait? PD, priorité qu'est-ce droite, je connais pas. Je connais pas priorité droite, ce con, quoi. Effectivement, il y a un gros vaisseau. Ouais, c'est ça quoi, tu sais, l'enfoiré, il passe. Suis-le. Suis-le, déglade lui sa mère. C'est non autorisé, détecté, qu'il est immédiatement. T'es con quoi. Je viens d'en sortir. Ok. Mais lui là, pourquoi il fume comme ça? Ça, c'est les propulseurs qui font des... Folie, qui font des tracés, il disait tout à l'heure. Donc du coup... transaction. Ah, Nesri dit priorité au plus gros dans Ellie. Ah, priorité au plus gros, ok. Donc du coup, on doit aller là. Tu peux pas lui déglinguer sa mère pour lui apprendre le respect? Non. Bon, je dis ça, c'est pour faire un pirate, c'est tout. Donc, livrer la marchandise à Coelho Station. Ah bon, on connaît ça, Coelho Station. Carte de la galaxie. Coelho Station, c'est où ça? C'était à Maté, je crois. Effectivement. Holt, non, c'est pas celui-là. Il est où Maté? Ah, il y a Fenario, il y a Foxario qui dit le carburant est pas bien réglé, c'est pour ça qu'il. Ah, ok. Donc en fait, il perd beaucoup de carburant quand il a activé ses propulseurs. En fait. Pourquoi je peux pas aller à Maté? C'est là que je veux aller. Pourquoi je peux pas? C'est quoi cette histoire? Hop, carte de la galaxie. C'est un vaisseau, voilà. Peut-être. Hop. Ok, et on doit aller donc par là. Voilà,
J'ai oublié de rentrer. Mettre un message. Ah, il y a Clément qui contredit la théorie de Foxario en disant non, le Foxario c'est du décor. Pour le fait que les propulseurs fument. Ah, je sais pas. Ah, ça y est. Merci de m'avoir fait raconter une connerie. Ah, mais j'avoue que le passage en hyper espace. Wow. Putain, c'est impressionnant à chaque fois que t'arrives comme ça près de. Près d'une étoile. Ouais, bah. Une étoile ou un truc ainsi. Alors du coup, on a dit. Ma fumée à moi est bleue. Ah. D'ailleurs, tiens, Fab, essaye contrôle alt et espace pour voir si jamais ça te sort de ta. En VR, attends. Je sais pas, c'est ça qu'il disait tout à l'heure, mais je sais pas si ça fonctionne. Ouais, visiblement. C'est cool ça. On va pouvoir voir ton vaisseau de l'extérieur. En VR, ça fait spécial. Mais ça marche. Je pensais que ça allait bugger, mais en fait, non, ça va. Ah, c'est vrai qu'en VR, ça fait space. Voilà. Oui, très éclairé, là, comme ça, on voit mieux. Y'a Nesri qui dit, tu vas voir, un de ces quatre, tu vas arriver devant une étoile bizarre au début. Ça, je vais même voir. Alors, aligné avec la cible. Un peu mal réglé cible. Sur les vieilles voitures, du coup, ça fume. D'accord, faut que ça arrive. Ok, je comprends. C'était pour LOL. Non, il dit c'était une blague, je faisais référence au carburateur mal réglé. Sur... Du coup, c'est un peu comme ça que je l'avais compris au départ, en fait. Ça va, je te comprends toujours, Foxario, tu vois, je suis toujours... Suis la comète. Et où qu'elle est, la comète? J'ai pas vu la comète. T'as pas vu la comète? Non. Bah, sérieusement, c'était le machin jaune, enfin le machin blanc. Ah, je l'ai pas vu. Je regarde autre chose. Je regarde l'espèce de panneau là sur le côté qui me donne des informations sur l'endroit où je vais. Je vois un petit peu comment ça... Et enfin, il va falloir que tu te remettes un peu le poids parce que là, t'es quand même bien tordu. De quoi? Va falloir que tu te remettes le cou droit parce que t'es bien tordu dans ton vaisseau, t'es pas droit. Ah oui, non, c'est parce que j'ai la tête penchée en fait. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que vous voyez bizarre, mais moi comme ça en fait, voilà, j'ai juste la tête penchée quoi. Ouais, j'imagine ça doit faire bizarre. Ouais. Donc du coup, j'aimerais bien essayer aussi ces arcs en VR. Ah, y'a Spartian qui dit te prends pas la comète comme t'as fait avec la station. Non, on va essayer, promis. Enfin, j'essaye toujours, hein, mais bon, le problème, c'est que je rate. Là. Non, ça va aller. On va essayer de ralentir à temps, par contre, cette fois. Arc en fez, putain la vache, j'ai du mal. Arc en VR face à un gros dilo qui a de grands dents. Ouais, c'est ça quoi, tu sais, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être pas mal aussi. Face à un raptor. Je connais Fabs qui va chier. Qui va en chier littéralement pour se barrer. Ah ouais, bah. C'est vrai que tu Arc en VR, peut... c'est possible, oh, certainement, on est sérieux. Ouais, avec Vorpix, ouais, y'a moyen. C'est un logiciel externe qui permet d'utiliser d'utiliser tes jeux normaux avec un casque VR. Bon, le résultat est pas toujours optimal, hein. J'avoue. J'ai fait notamment des tests là il y a pas longtemps sur Space Engineer. Le résultat est pas optimal, mais Space Engineer, il y a moyen d'avoir quelque chose. Quoi. Non, bon, voilà. J'ai testé notamment avec GTA par exemple. J'ai testé. Avec Viscera Clean Up Detail, des trucs ainsi. J'aimerais bien voir Willy aussi en VR sur Arc. J'ai largement PC pour faire tourner la VR, c'est pas le souci. Simplement, je n'ai pas le casque ouais. VR. Ouais, c'est ça. Et le casque VR coûte un peu cher. Et vu ma situation actuelle, tu vois, je te dis.
J'aimerais beaucoup, hein, je dis pas le contraire. Mais malheureusement, non. Et Minecraft en VR, Fab, ça a déjà fait des vidéos VR. Ouais, mais pas grand chose. Mais j'en referai parce que j'aimerais bien faire un Skyblock en VR. Donc, Spartan qui dit j'ai la VR sur PS4. Est-ce que la VR de la PS4 va sur PC? Non, ça va. Non, elles sont pas compatibles par contre. Très dommage. Train d'atterrissage sorti. Guillaume il dit c'est un merdier mais certains y a. Ok. Donc il y a Fox Ario qui dit si mon client essaie de stocker ton écran sur ta tête et tu bouges la souris en même temps. C'est ouais, pas dit que ça marche quoi. Tableau de mission. Willy en VR sur Ark, vous avez pas peur que les dinos prennent peur en le voyant? J'ai jamais dit qu'ils allaient vers ma tronche. Sans déconner. Livrer les objets. Vous trouvez au lieu de livraison. Veuillez confirmer la quantité d'objets à livrer. Guillaume dit elle c'est Willy qui a le casque Paul Dino et heureusement. Pourquoi je peux pas? Objet au dépôt. Ah merde, j'ai oublié les trucs au dépôt. Oh non, j'y crois pas. En fait je vois là, objet au dépôt, 2 sur 2, tu vois, je les ai pas sur moi. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Oh merde. Bon, mais ça sera pour une prochaine, de toute façon, les poteaux, parce que là, je commence vraiment à voir. Y'a Guillaume qui dit boulet, master boulet. Oh non, putain. Oh, Fabs, t'abuses, franchement. Ah, là, Fabs, on t'entend très mal, du coup. J'ai relevé le casque. Ah, c'est pour ça. Mais, comment? Ouais, non, c'est débile, ça. C'est débile, c'est con. Mais bon. C'est pas grave. Oh, ça sera la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je vais certainement encore continuer à jouer, même pas en VR, en tout cas. Enfin, quoi que non, en fait. Même Willy, on fait pas de pareil. Ah, merci. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je veux bien que tu m'insultes, mais pas à ce point-là, quand même. Y'a Nesri qui dit si jamais un de ces quatre tu veux de l'aide sur ce jeu, je passerai sur ton Discord. Si tu as des questions ou quoi, ce sera avec plaisir. Ouais, ça va, bah écoute, si jamais tu peux passer ce même n'importe quand, hein, tu passes sur le Discord de Willy. Voilà quoi, tu vois. Mais t'inquiète, c'est gentil en tout cas à toi de proposer ton aide. Oh, mon personnage qui lâche sa main. À mon avis, il doit être en train de remarquer que je suis en train de me gratter les couilles. Il y a Fox Arno qui dit j'imagine trop le livreur qui te casse ta porte. Voilà votre ah, je l'ai oublié. Ouais, ce serait gag ça. Bon ben les potos, moi je remercie tout le monde, surtout Willy qui m'a fait ma petite Cortana personnelle là. Oh t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est tu gentil. Recevras en tout cas, tu recevras ma demande de paiement à la fin de la semaine. Ça va, pas de soucis. J'ai révisionné 5-6 pubs sur ton truc. Ça va. Bon les potos, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde et demain parce que moi je liverai sur PA ou je sais pas, on verra. Ça va. Allez, ciao ciao les potos. Allez, bonne soirée à tout le monde. Comment ça, William, on a fait des pires?